What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, bonjour si vous êtes sur le continent euh, nord-américain. Euh, bonsoir si vous nous écoutez sur euh, Space, euh, sur X, faites-moi des petits signes si c'est le cas. Envoyez-moi quelques emojis. Euh, salut euh, tout le monde sur Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitch. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup euh, Twitch. Merci à Anaïs sur euh, Space qui, euh, sur X. C'est très 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 compliqué on est un petit peu de partout il faut que je suive tout ça merci Pierre merci Cosa heureux de vous retrouver donc surtout sur Space sur Twitch sur Facebook et puis et puis forcément sur YouTube où la communauté la chute est là au rendez-vous comme d'habitude vous êtes très nombreux euh, merci, euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité, programme ultra chargé, euh, spécial, euh, spécial popcorn, euh, en parlant de popcorn, si vous avez l'image, euh, on a fait un investissement <laughs> du côté de la, de, de la chute, euh, Thomas, euh, si tu peux montrer ce qu'il y a euh, derrière moi, si on peut voir ça voilà, je ne sais pas si vous voyez, il va enlever le petit truc. Et voilà, on a notre petite machine à popcorn parce que euh, entre ce qui se passe cette semaine et ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc je vous rappelle, hein, l'énorme rendez-vous, c'est lundi euh, avec normalement, normalement parce qu'ils ont pris un petit peu de retard du côté de New York, on va en parler, mais normalement lundi. Euh, avec, euh, avec, on nous dit qu'il n'y a pas de diffusion sur YouTube. Non, c'est bon, euh, je ne sais pas. Est-ce que le chat YouTube vous arrivez à nous lire ou est-ce que c'est un problème technique qui est indépendant de volonté Désolé, on va, euh, on va euh, essayer de euh, voir euh, tout ça, euh, ce qui est en train de se passer. Du côté de la technique, de notre côté, euh, tout est bon. Donc, on va, voilà, on va continuer. Mais désolé. Donc, je vous disais, lundi prochain, lundi prochain, moment historique, normalement lundi, euh, Donald Trump va euh, passer à la barre euh, des témoins dans son procès pour fraude, pour déterminer le montant de l'amende la, de, des fraudes euh, pour, euh, pour plusieurs années, pour une dizaine d'années au sein de la Trump Org pour payer moins d'intérêts, on va en parler de ça aussi, payer moins d'intérêts et toucher plus d'argent de la part des banques. Trump, ses fils et la Trump Org ont augmenté. Leur déclaration de, de la valeur de leurs biens. Et donc, c'est en train de se jouer aujourd'hui. À un moment, où je vous parle, je suis ça d'un œil. Don Junior, le fils de Trump, est en train de, est en train de, de, de témoigner à la barre. Euh, on racontera ça. Donc, lundi prochain, c'est ça. Mardi, ça devrait continuer. Et puis, mardi, euh, bon, ça, ça va surtout <laughs> concerner les insomniaques et. Euh, les, euh, les Québécois et ceux qui sont en général sur le continent nord-américain, on va faire quelque chose de complètement nouveau pour la chute, on va faire un deuxième space qui va être une nuit électorale. Euh, mardi prochain, c'est le dernier grand rendez-vous électoral aux États-Unis avant la présidentielle, à un an avant, avec des, euh, des, des, des scrutins clés. Dans plusieurs États comme la Virginie, comme la Pennsylvanie, et donc on sera là, on va vous faire vivre ça avec nos pronostics, nos analyses, etc., etc. Donc ça c'est pour ça c'est pour euh, mardi euh, prochain. Euh, en attendant aujourd'hui trois sujets, trois sujets. On va évidemment parler de New York, dans Don Junior, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avant-hier euh, avant et euh, ce qui va se passer dans les prochains jours. Don, Eric, Ivanka. Donald, la famille, la famille Trump et sa Trump, il n'a pas du tout aimé. On va en parler. On va aller aussi du côté du Colorado où, à euh, l'heure où je vous parle, au moment où je vous parle, il y a Cash Patel euh, qui est un pro-Trumpiste -trumpi, euh, euh, dont Trump euh, souhaite lui donner la... La CIA, s'il devient, euh, devient président en, euh, en 2024-2025. Euh, donc, il y a Kash Patel qui est en train de témoigner. Ce fameux procès qui est extraordinaire à suivre. Moi, je me suis régalé euh, ces, euh, ces derniers jours euh, à suivre ce procès pour savoir euh, si Trump peut se présenter ou s'il tombe sous le coup de euh, la section 3 du 14e amendement. Et puis, on ira de la côté, du côté de la Floride avec. La juge Canon est euh, le procès autour des documents euh, classifiés, emportés, cachés, dissimulés à Maralago. Et avec euh, sa stratégie à Trump ou à Canon, on verra ça, de gagner, euh, de gagner du temps. Euh, je voudrais, avant qu'on se lance tout de suite, euh, remercier euh, une nouvelle fois... Christophe, qui est devenu un membre de la team Les Chutistes, merci de votre soutien. Je voudrais remercier aussi celles et ceux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la page Patreon. C'est formidable, ça nous permet de planifier, de planifier tout ça. Patreon.com William Raymond, les liens sont sur ma, dans ma bio X, vous avez un, un lien linktree avec, avec tout ça. Et je voudrais dire à Christian qui nous écoute sûrement de Suisse oui, euh, j'ai du thé, oui, il y a du popcorn. Non, je n'ai pas de champagne, le champagne il est prévu pour samedi parce que samedi ça sera l'anniversaire de euh, Cody qui va avoir sa, la véritable majorité aux États-Unis va avoir ses 21 ans, donc il pourra boire officiellement du champagne. Et donc euh, voilà, donc, ça, euh, ça c'est prévu pour samedi. On, on se rend direct, donc le chat, je compte sur vous samedi. Et puis euh, merci euh, énormément, euh, Olivier, euh, pour euh, votre super sticker, ton super sticker qui permet de euh, contribuer au financement de la chute. Voilà, euh, tout est dit. On va commencer tout de suite par New York. Euh, un petit jingle de deux secondes et on bascule sur New York et le procès Trump pour fraude. Ouais, ce qui est amusant, quand je m'installe ici, je me dis, mais par quel procès je vais commencer <laughs> Il y en a tellement, il y en a tellement, c'est dur à suivre. Il y en a d'autres, il, il y en a plein d'autres qui arrivent, en fait. Au-delà de, 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 de tous ces procès qu'on connaît, on, on vit une période folle. C'est que, euh, en ce moment, on parle plus, de, plus des procès de la campagne. D'ailleurs, les, les candidats républicains euh, en souffrent, ils tombent, ils, tombent, ils, tombent, ils, tombent, ils tombent comme des mouches. Mike Pence est le dernier à avoir abandonné la course. Il va y en avoir d'autres. De toute manière, la plupart des candidats qui, sont, qui se mettent dans une, dans une. pour le poste, poste d'une investiture ne le font pas en pensant gagner, mais parce que ça leur permet d'exister nationalement, ça leur permet de préparer leurs prochaines élections et ça leur permet très souvent de vendre un livre, un doigt, et des... de toucher la valoir qui va avec. Ouais, non, c'est la réalité de la politique, c'est aussi comme ça que ça se passe. Euh, donc, euh, procès, procès New York, euh, quatrième semaine, je crois, ouais, c'est déjà ça, hein. quatrième semaine du procès à New York, première partie de ce procès euh, qui s'est déroulé sans, euh, sans, sans, sans débat, sans rien, sur une volonté signée euh, est voulu à la fois par le camp Trump et les services de la, de la procureure euh, Laetitia James. Et donc, première partie qui s'est conclue par la, euh, un arrêt du juge euh, qui a décidé que Trump était coupable en vue du dossier et que donc cette deuxième partie était coupable et qu'en plus de ça il fallait euh, placer la Trump Orgue sous liquidation judiciaire. Cette deuxième partie est en pause et sera euh, simplement traitée à la fin du procès qui est en cours. Le procès qui est en cours... Euh, ce qui est euh, le procès qui est en cours, ce qui est euh, euh, en train de se jouer actuellement à New York, c'est pour le montant de l'amende que Trump aura payé. La, 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 la procureure demande 250 millions euh, de dollars euh, d'amende, euh, plus euh, une interdiction pendant 10 ans de faire du business avec des banques de New York, donc qui est la fin de, de l'empire de, de financier de trump qui le forcerait à vendre euh, énormément de ses, de ses biens euh, ou de trouver d'autres solutions on en parlera lorsqu'on reviendra je crois que c'est jeudi prochain avec le témoignage de ivanka la différence avec ivanka ivanka va venir témoigner jeudi et vendredi euh, peut-être mercredi déjà, on ne sait pas, mais elle va venir témoigner en fin de semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, excusez-moi. Et Ivanka, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne voulait pas venir témoigner, elle n'est pas inculpée, alors qu'aujourd'hui euh, on va parler des fils Trump qui sont co-inculpés avec leur père. Ivanka ne l'est pas, elle est un témoin cité par la défense, et elle a tout fait pour éviter euh, ce moment-là où elle va devoir sur -serment, sous serment et sans et sans de grosses protections, elle va devoir répondre aux questions de la justice. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, on a eu pendant plusieurs semaines la valse des spécialistes, des experts, des anciens, anciens avocats de Trump, anciens, anciens, anciens comptables, et aujourd'hui, on est passé à une dimension supérieure parce que c'est la famille Trump qui va défiler à la barre euh, un par un, ce qui a énormément énervé Trump, ce qui est assez ironique, j'ai partagé le, 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 le tweet ce matin, ou euh, sur, sur Twitter, ou sur, euh, sur, euh, sur Blue Sky, c'était sur les deux, et donc euh, pour vous montrer que Trump était en colère et euh, attaquer le juge en lui disant euh, laisse, laissez, ma famille, laissez ma famille tranquille. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on regardait hier soir et aujourd'hui les Fox News et les autres chaînes euh, pro-Trump façon euh, Newsmax, OAN, etc., etc., le mot du jour, c'est que ce n'était pas normal de s'attaquer aux enfants du président. Bon, on oublie que ces enfants du président, ils, euh, euh, ils ont presque tous la quarantaine euh, aujourd'hui. Euh, donc, bon, ce ne sont pas des... Sont des enfants techniquement, mais ce ne sont pas des, des petits-enfants. Et puis, ce qui est fou, c'est que depuis des mois trump en tête des mois même des années euh, trump ne se gêne pas à attaquer hunter biden le fils de joe biden ça lui pose aucun problème d'ailleurs ce matin l'ironie de la chose c'est que euh, sur sa timeline de euh, « truth social le, », son mot où il disait que c'était un scandale de s'attaquer à ses enfants et qu'il fallait laisser ses enfants tranquilles, était encadré par deux autres messages où il attaquait l'enfant de Joe Biden. Donc, une espèce de, de double traitement. Avant le témoignage de, 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 de Don, de Don junior qui a commencé, euh, qui a commencé euh, en retard, 45 ans, Don junior l'enfant du président, il a 45 ans, euh, euh, le, le témoignage a commencé en retard parce qu'il y avait des, des témoins d'experts qui, euh, qui ont pris un peu plus de temps et euh, un aspect qui était extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, les axes de défense publique, parce qu'en termes de tribunal, je vous ai déjà dit, ils ont euh, la culpabilité de Trump et de ses fils, la Trump Org a déjà été établie par le magistrat, d'accord Mais sa défense publique, c'est que, il euh, y a deux axes, mais une première partie de sa défense publique, la deuxième axe va vous faire, va vous faire rire. La première partie de sa défense, c'est de dire, ah non mais attendez, euh, les banques n'ont jamais perdu d'argent, on a toujours payé nos, 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 nos crédits à temps, euh, heureusement. Et, et donc ce matin, il y a, y a un expert qui est venu comptabiliser euh, le manque à gagner des, euh, des banques, donc euh, qui ont finalement perdu de l'argent indirectement mais ils en ont perdu en disant voilà si la véritable fortune des Trump avait été déclarée comme elle aurait dû, euh, il y a 168 millions de, de dollars en plus qu'aurait dû être payés euh, aux banques sous forme d'intérêt. parce que le système était, euh, était simple, c'est que en déclarant, des, des, des valeurs augmentées de ses biens parfois jusqu'à 2000% au-delà de la valeur en déclarant que son appartement ne faisait pas, ne faisait pas 1000 mètres carrés, mais il en faisait 3000. ça permettait à Trump d'avoir des taux de, des taux d'intérêt plus faibles sur ses crédits. Et donc la valeur qui a, été, qui a été payée aux banques en intérêt, il y a ces 168 millions de dollars. Qui est la famille Trump a épargné grâce à ces euh, mensonges, à ces fausses déclarations. Et donc, le deuxième axe de, de, défense, de, de, de défense de la famille, de, des avocats de Trump, c'est de dire que, toute manière, euh, dans la réalité, euh, ok, on ne peut pas faire de, on peut pas faire de, val, de valorisation des biens trains parce que d'un côté, il y a les vrais chiffres mais de l'autre, il y a ce qu'on appelle une valorisation subjective qui est un nouveau concept hein, comme on a eu la, la vérité alternative les alternative facts, les, les, folk news, les, 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 les fake news comme ils ont essayé en début de, pro, de procès de dire qu'il y avait le mètre carré normal et puis il y avait un mètre carré imaginaire euh, qui pouvait avoir autant de autant et euh, qui n'était pas égal à un mètre carré donc un mètre carré Trump n'est pas égal à un mètre carré euh, normal et, et donc là ça a été de dire non mais de toute façon les gars euh, ça sert à rien un petit peu ce procès hein. d'ailleurs ils ont essayé de le faire envoyer euh, de le faire annuler ça sert à rien ce procès parce que ouais bon vous êtes en train de nous donner les valeurs euh, les véritables valeurs y compris les valeurs qu'on a utilisées parce que là ça les gênait moins pour payer des impôts mais bon Ouais, ok, il y a ça, mais dans la réalité, il y a la valeur subjective. Et la valeur subjective, c'est que les gens, ils sont prêts à payer 10, 15, 20, 30, 100 fois plus parce que c'est un bien qui appartient à Trump. Et donc, quand on a demandé aux avocats de prouver ça, ils sont évidemment, c'était impossible de prouver la chose, mais on en on est là, on est dans ces défenses et garder ça en tête. Tout à l'heure, on va reparler du Colorado, euh, du procès en cours euh, au Colorado. Il y a cette dimension où euh, euh, on essaye de dire que voilà, euh, Trump euh, n'est pas soumis aux mêmes règles, moi bon, c'est ça ce qui me gêne le plus, aux mêmes règles que n'importe quel autre citoyen américain. Parce que entre nous, si nous, si moi euh, j'avais fait les mêmes styles d'arnaque que Trump, j'avais fait des fausses déclarations en disant que, 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 mon, que, que ma maison elle faisait 500 mètres carrés. Euh, j'aurais eu des, des graves problèmes euh, juridiques. Et là, dès que, dès que Trump a dit ça, non, mais la valeur, elle n'est pas pareille, les mètres carrés, ils sont différents. Et puis, de toute manière, comme on vient de l'écrire dans le chat, on n'est pas, euh, pas à quelques euh, millions, euh, centaines de millions, de millions près. Et donc, on a aujourd'hui, avec l'arrivée de Don Junior, 45 ans, donc, à la barre, on a à peu près cette espèce de défense de Trump, euh, qui euh, d'après moi va être aussi l'axe de défense de, de, de Eric demain et l'axe de euh, Don, euh, Donald, euh, donc du père, euh, la semaine prochaine, car en gros de dire euh, on ne sait pas, on ne se souvient pas, euh, ouais c'est peut-être le cas mais euh, sincèrement euh, j'avais d'autres problèmes en tête et, euh, et donc il y en a un contraste où c'est des gens qui ont vendu cette image d'être des des, des espèces de carnassiers euh, du capitalisme américain, des, des, des affaires, des gars super intelligents, super malins. Et là, ils essayent de passer à la barre en jouant les gars un petit peu bêtes, en disant c'est en tout cas la première partie du, de, du témoignage de, 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 de Don Junior ce matin, lorsqu'on lui pose des questions en lui disant euh, OK, euh, qui, a, qui a viré le directeur dit euh, le directeur financier donc ça s'est passé pendant la présidence de Trump. Le directeur financier s'est retrouvé inculpé dans des, dans, des, dans des malversations. Il vient de faire de la prison d'ailleurs. Et quand on lui demande qui viré de, de, de l'a viré de la Trump Org, à ce moment-là, la Trump Org, c'est deux personnes qui sont à la tête. C'est Don Jr. et c'est Eric. Parce que Trump est président, donc pendant la présidence, il a, euh, il a laissé sa place. Et, et, et petite parenthèse, qu'on a appris aujourd'hui, c'est que au lendemain de sa défaite euh, en 2020, Trump a repris sa place alors qu'il continue à avoir ce discours que euh, parce que là maintenant on est en train de venir de lui reprocher euh, qu'il y a une mauvaise gestion euh, des affaires de la Trump ORG, il est en train en permanence de dire de toute façon moi c'est même plus moi qui m'en occupe je suis plus dans ce business là alors que la réalité il a repris les rênes. Depuis depuis 2020, ce qui était ce qui était une révélation et d'ailleurs ça va être à vérifier si lors de sa de de, sa, de sa déposition, pas sa première, sa deuxième, parce que sa première il a utilisé plus de 400 fois le cinquième amendement en refusant de répondre. Si le deuxième il a il a il a avoué qu'en fait il était revenu aux affaires parce que publiquement je peux vous dire que il ne l'a jamais dit. Et donc en, en euh, 2017-2018, lorsque le directeur financier de la Trump Org est inculpé, il est viré de la, de, de, de la boîte. Et euh, à ce moment-là, il y a deux personnes qui sont en charge de la Trump Org. Il y a Eric Trump et Don Jr. Trump. Et donc ce matin, on demande à Don Jr. si c'est lui euh, qui a pris cette, discussion, cette décision, quand même, c'est de virer le numéro 3. Euh, et euh, il, bah, il explique qu'il ne s'en souvient plus, et qu'il croit que c'est pas lui, et quand il lui dit, est-ce que c'est -ce est Eric Et il dit, ouais, bah, sincèrement, je ne sais pas. Et donc, il y a cette espèce de contraste voulu, bien évidemment, et je vais vous expliquer pourquoi, euh, à terme, c'est euh, une stratégie qui est extrêmement dangereuse. Donc, cette stratégie voulue de dire, voilà, on était les PDG euh, d'un groupe qu'il qui présente euh, publiquement, mais aussi... Euh, mais aussi euh, lors de ce procès parce que justement pour justifier la valorisation du groupe depuis quatre semaines à chaque fois que Trump avant le avant le procès a pris la parole ou les avocats ont pris la parole dans le euh, devant la salle d'audience c'était pour nous expliquer comment ce groupe était euh, était extraordinaire comment ce groupe était euh, était un fleuron de, de, de l'immobilier, des affaires aux États-Unis et pas qu'à New York. Et puis là, on interroge le, le, celui qui a été à la tête de ce groupe et on a le sentiment qu'il ne connaît rien, qu'il ne sait rien. Euh, tout ça aussi, c'est une stratégie évidemment pour, pour éviter de répondre aux questions et à ne pas mentir parce que lors de sa... Ça, euh, ça va être un des points qui va être évoqué cet après-midi ou demain matin, lors de sa euh, déposition... Don Junior a été attrapé en flagrant délit de mensonge en expliquant qu'il n'avait aucune expertise, malgré ses études sur le sujet, il n'avait aucune expertise en, euh, en euh, euh, comptabilité, valorisation des biens, etc. etc. alors qu'il a suivi des études universitaires là-dessus. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Mais le plus important, c'est qu'il a signé des documents officiels en déclarant que les expertises fournies par le groupe Trump avaient été faites selon les règles de l'art. Et donc en même temps qu'il signe ce document en disant voilà, tout a été fait comme il faut, tout est bien fait, je le certifie, etc., lorsqu'il est interrogé euh, sous serment, il dit non mais moi je ne sais même pas c'est quoi, comment on fait, c'est quoi, quoi la procédure. Donc il va y avoir ce contraste qui est expliqué et cette excuse de je ne me souviens pas, euh, ce n'est pas moi. Euh, j'en je, je, ai pas un souvenir précis, etc. C'est quelque chose que l'on peut continuer jusqu'à un certain moment. Le certain moment, c'est lorsque les services du procureur et ou le magistrat vont considérer que c'est de l'obstruction à la justice. Il ne faut, faut pas croire que la justice est complètement innocente et qu'elle va accepter qu'un qu témoin, qu il est inculpé en plus pour le coup, qu'un inculpé arrive à la barre et essaye de se dédouaner en expliquant simplement que euh, entre ce qu'il a fait l'année dernière et aujourd'hui, euh, il a perdu, il a perdu la mémoire. On lui a posé quand je... et justement c'est ce, ce que les magistrats ils l'ont piégé à ce niveau-là euh, ont voulu lui établir. Ils lui ont posé des questions précises sur 2021 et euh, sa réponse a été de dire je m'en souviens pas. C'est quelque chose qu'il peut utiliser lorsqu'il parle de de peut-être de, de, peut de décisions prises il y a dix ans mais ça commence à devenir difficile en 2021 de, pour lui d'utiliser cette, cette, cette excuse là euh, en tout cas il a utilisé donc on va voir jusqu'à quel moment euh, ça, va être, euh, ça va être accepté donc sinon il va se faire attraper pour obstruction et au delà de ça c'est là où c'est intéressant parce que c'est un procès civil le magistrat peut utiliser dans sa décision de euh, d'amende peut justifier le fait peut utiliser le fait que euh, il a remarqué que lors de son, euh, de son interrogatoire lors de cette son, de son de, de, de la procédure lorsqu'il était à la barre, le témoin, en refusant de répondre, n'a pas été euh, coopératif et que ce refus de coopération, c'est une forme d'aveu. Donc c'est un pari extrêmement risqué. Vous voyez la ligne de, de se dire, OK, euh, je, je, je m'en... Je m'en dédouane, je ne m'en souviens pas, etc. Sur le coup, ça peut paraître frustrant quand on le regarde, et sur le coup, ça peut paraître comme une manière d'échapper, de de, mais dans la réalité, c'est quelque chose qui va être sûrement utilisé contre les Trump par euh, le magistrat dans sa décision euh, d'une amende. Dernière petite remarque, et elle est taille, c'est que Trump a été présent euh, lors de ce procès, je crois qu'il a déjà été là, huit ou neuf jours. Il est venu euh, pour euh, être présent lorsque euh, Michael Cohen, son avocat, son ancien avocat, est venu témoigner contre lui. Hein. Il avait l'intention de, de, montrer, de montrer de sa présence qu'il était, euh, qu était, qu était en colère. On sait qu'il a quitté le, la salle d'audience. Euh, quasiment en claquant la porte euh, ou pas loin euh, lors de la, 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 la dernière journée du témoignage de Michael Cohen. Mais en tout cas, il a été là. Aujourd'hui, c'est son fils qui vient témoigner. C'est peut-être le moment de lui apporter un soutien moral en étant là. Don Junior, euh, Don, Donald Trump est à Mar a lago. Et sûrement, on apprendra qu'il est allé jouer au golf. Mais bon, en tout cas, voilà, euh, il n'est pas là pour soutenir ses enfants, à part euh, à part cette, ce, ce tweet euh, qui a été écrit euh, à, euh, au milieu euh, au milieu au milieu de la nuit. Donc, évidemment, je vais continuer à suivre à suivre tout ça. Euh, on vous en parlera dans les jours prochains. S'il y a une breaking news, on passera en en breaking news. Il euh, n'y a, a aucun problème. Maintenant, je voudrais qu'on parle de notre deuxième sujet. Et je pense qu'on va partir du côté du Colorado. Euh, juste dans 30 secondes, le temps pour moi de boire une gorgée de thé. A tout de suite sur le Space de la chute. Le procès du Colorado. Alors, on a fait une émission. D'ailleurs, vous avez été très, très, très nombreuses et nombreux à la regarder, à la partager, à la recommander, à l'aimer. Merci beaucoup. Elle est encore disponible, évidemment, sur YouTube où il y a l'ensemble de, 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 de nos vidéos. Thomas, Thomas vous, les, vous les poste de manière, de manière régulière. Donc, on avait suivi en direct le, ce premier jour du, du procès avec des témoignages extrêmement forts comme témoignages de, de policiers du Capitole qui racontaient ce qui s'était passé dans cette dans cette dans cette journée-là avec une stratégie hein, tout à l'heure je vous parlais la stratégie des avocats à New York qui explique que ce bon, c'est pas possible de, de faire une valorisation normale lorsqu'on parle de Trump ça peut être que des des valorisations subjectives on a eu des, des axes de défense pas mauvais non plus euh, au Colorado, avec euh, par exemple euh, l'idée euh, d'aller demander à un, à un des chefs de la police du Capitole, euh, le, le Danny Hodges, dont Thomas vous montre la photo. Qui est ce, on, a, on a vu ce film insoutenable, c'est ce clip vidéo de quelques secondes où il est coincé euh, euh, à dans, dans l'entrée d'une porte et que les euh, supporters MAGA sont en train d'essayer de, de, de l'écraser, en même temps de le tirer de, tout, de tous les côtés. Donc euh, ça c'est Odysseus, il est venu témoigner de, son, de, de, de ce qu'il a vécu comme étant une attaque terroriste pour lui et euh, une attaque contre la démocratie américaine. Et euh, face à ce euh, témoin, euh, témoignage extrêmement, extrêmement fort, euh, il y a eu la réponse des avocats de Trump qui l'ont demandé si euh, parmi toutes ses capacités, euh, il avait la capacité de lire dans les pensées euh, des gens et en lui, faisant, en lui montrant des photos de cette journée-là, en disant, est-ce que vous pouvez me dire ce que euh, cette personne passe dans sa tête à ce moment-là, pour essayer de dire que voilà, tant qu'on ne sait pas ce que les personnes pensent dans leur tête, on ne peut pas dire qu'ils étaient là pour Trump, et la, la, la réponse de, de, de l'avocat euh, a été extrêmement intéressante, parce qu'il dé, a démontré que euh, par rapport à sa positionnement, sa, sa, sa position à Washington, le euh, Hodges, donc ce... ce ce chef d'escouade de, de, dans la police du Capitole a pu voir le, pouvait voir le discours de Trump à ellipse. Vous savez ce fameux discours où il, il dit à ses, à ses, à ses supporters qu'il faut marcher sur le Capitole. Donc a pu voir ce discours, a pu voir la foule partir le discours et venir sur le Capitole et puis renforcer l'accès plus tard. Mais en tout cas, c'était la défense. Des avocats de Trump pour la première journée. La deuxième journée, ils nous ont inventé encore quelque chose d'un niveau, niveau olympique. Euh, on, va, on va en parler euh, tout de suite après. Donc, juste, juste pour information, c'est une procédure assez particulière et je, vais vous, et je vais aussi vous repréciser quel est le 14e amendement et les enjeux. C'est important pour, pour celles et ceux qui nous rejoignent, euh, rejoignent ici et qui ne sont pas forcément au fait de ça. Euh, la procédure de, de ce procès, c'est que euh, pendant les. Euh, deux premiers, deux, deux jours et demi, euh, ça a été les. Euh, ça a été les. Euh, les euh, le, la présentation du dossier des, de la partie euh, qui souhaite que Trump ne puisse pas se présenter en 2024. Je vais y revenir tout de suite. Et à partir de maintenant, là, à l'heure où je vous parle, on est, on est mercredi après-midi aux États-Unis, c'est la partie réservé à la défense donc à Trump et au parti républicain qui est aussi partie prenante dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce processus là de présenter leur contre leur contre expertise leurs témoins etc., etc donc au cœur de ce, au cœur de ce procès nous avons le, le fameux la fameuse section 3 du 14e amendement. La section 3 du 14e amendement, c'est quelques lignes dans la Constitution qui euh, été rajoutées après la guerre euh, civile, après la guerre de sécession, pour que des euh, serviteurs de l'État, là du coup c'était pour viser principalement des confédérés, ne puissent pas se représenter, ne puissent pas euh, obtenir. Euh, une position de euh, service, qu'elle soit fédérale ou au niveau de l'État, donc une position politique, euh, s'ils si ont euh, pris part à une insurrection ou apporté leur soutien à l'insurrection. Et depuis cet été, il y a différents courants aux États-Unis. Ça a commencé par un mouvement conservateur, donc de la droite américaine, qui a lancé cette procédure en expliquant que euh, Trump. Euh, en suivant une, leur interprétation de, la, de, de ce texte-là, qui encore une fois fait quelques, quelques lignes, Trump ne peut pas être candidat en 2025. Et actuellement, on avait la carte, je ne sais pas si on peut la revoir, actuellement, Thomas va vous la remettre, actuellement, il y a 18 procédures en cours dans 18 États différents pour empêcher Trump d'être candidat. Donc au début, pour être candidat... Dans, euh, dans l'État. On sait que si cette, proc cette procédure est validée au niveau de l'État, elle ira jusqu'à la Cour suprême, qu'à la fin, euh, ça sera principalement, principalement la Cour suprême et, qui, prendra, qui prendra cette décision. Avant 2024 euh, ou pas, euh, on verra. En tout cas, sur le Colorado, il y a un, un calendrier extrêmement précis. Qui nous permettra d'avoir une réponse si euh, Trump est autorisé ou pas, même s'il y a des possibilités d'appel après à la Cour suprême, mais en tout cas s'il est autorisé ou pas de se présenter au Colorado euh, en 2000, euh, 2025. Une décision qui pourrait faire jurisprudence euh, et boule de neige. Au-delà de ça, il y a aussi une procédure qui est en cours, qui est extrêmement avancée euh, au niveau euh, du euh, Minnesota, avec la Cour suprême du Minnesota qui va qui va débuter. Jeudi, qui va débuter jeudi, des, des, des auditions pour savoir si le Minnesota, doit, Minnesota et ça c'est plus embêtant pour Trump, doit aussi empêcher Trump d'être candidat. Un, ça devient un problème tellement grave que hier, Trump, de manière proactive, S'est mis à lancer des, des. à porter plainte, à lancer des poursuites contre le bureau du Secretary of State pour l'empêcher d'être élu, ce qui alors que le Secretary of State n'a encore rien fait, mais c'est des, des formules, c'est des décisions préventives de la part de Trump pour souvent faire peur aux gens pour éviter qu'on arrive là. Donc, en tout cas, ça bouge aussi du Minnesota, on va en parler, mais donc au Colorado, procédure déposée par. Euh, une, une association de vigilance qui s'appelle Crew est soutenue au nom de six citoyens de, 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 du Colorado. Euh, et dans ces six citoyens, il y a une majorité de républicains euh, dont euh, la personne la plus importante est une ancienne élue républicaine qui a été vraiment une figure incontournable et incontestable du Parti républicain. Du Colorado pendant des années et qui souhaitent aujourd'hui que Trump ne soit pas candidat en 2025. Donc il y a eu toute une procédure de ce qu'on appelle pre-trial, d'avant-procès, que Trump a essayé à sept reprises de faire capoter. Finalement, le procès a débuté lundi. C'est un procès historique. C'est la première fois aux États-Unis qu'il y a un procès, que l'on discute, que l'on entend des témoignages l'on voit des documents, que l'on lit des documents, où il y a des experts qui viennent évoquer la possibilité qu'un candidat à l'élection présidentielle ne puisse pas être candidat, justement. Donc, première journée témoignage, hier, journée extrêmement euh, intéressante, euh, avec euh, la venue euh, d'experts, et entre autres d'un expert euh, spécialiste de la... Euh, Spécialiste de la du mouvement extrémisme extrémiste aux États-Unis et en particulier euh, du, mouvement, du mouvement du de l'extrême droite euh, de l'extrême droite américaine, spécialiste de, de des euh, des milices euh, façon des milices armées façon euh, Proud Boys euh, façon euh, Free Percenter Center ou euh, Off Keepers qui ont tous participé. En, en, en le 6 janvier 2021 à l'attaque contre le Capitole, certains étant même extrêmement organisés. On a vu les leaders de ces groupes-là se retrouver en prison pour des dizaines d'années. Ils, ils ont été condamnés récemment. Et donc, cet expert a non seulement raconté l'histoire de ce groupe-là, mais a raconté la création d'une relation unique entre Trump, et la partie la plus violente de l'extrême droite américaine. Comment Trump leur a donné une légitimité et comment Trump, pendant des années, a construit cette, 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 cette base pour euh, pouvoir euh, euh, l'utiliser le 2000, le, le 2000, euh, en 2021 en, en, en leur demandant d'intervenir sans publiquement de manière trop évidente, leur demandant d'intervenir. Ce qui est intéressant dans ce discours, dans, dans, dans cette expertise, c'est que il a montré comment, en parallèle de, euh, depuis 2016, même depuis 2015, depuis l'annonce de Trump, en parallèle à des clins d'œil poussés de plus en plus fort à l'extrême droite, à chaque fois, Trump, dans un discours glissé, c'est ce qu'on appelle le concept de plausible deniability. Qui est de, de donner une excuse plausible, de dire attendez, moi je ne leur ai pas demandé. Ce sont des méthodes aussi de la mafia et ce sont des, euh, ce sont des, ce sont des méthodes utilisées euh, par euh, aussi le gouvernement américain. Euh, euh, C'est un thème qui a été évoqué quand, dans les années 70 lorsqu'il y a des ce qu'ils doivent se débarrasser de certains leaders dans certains pays, euh, comment le président ne, ne s'expose jamais en première ligne, mais il y a toujours une excuse de dire non non mais regardez moi c'était pas moi j'ai dit ça et donc euh, euh, l'expert a construit ce euh, discours, ce parallèle entre Trump qui fait des clins d'œil euh, légitime la violence, il est revenu sur euh, des, des, des meetings de campagne en 2016 et entre autres un meeting à Las Vegas. Je n'étais pas celui-ci, c'était la deuxième fois qu'il est venu à Vegas, j'étais allé au premier moi, avec Thomas d'ailleurs. Et euh, donc en 2016, lorsque euh, y a, à l'époque, les gens venaient protester euh, pendant le meeting, venaient, venaient, venaient huer Trump et comment il euh, félicitait les gens de son, de son public qui se retournaient contre une personne qui venait huer et euh, le frappaient. Et en disant que, de toute façon, lui, ce qu'il regrettait, c'était ce temps euh, béni où, euh, à Las Vegas, quand il y avait un problème, on prenait quelqu'un derrière le casino et on allait lui casser les jambes. Vous avez sûrement vu le film Casino. Si c'est pas euh, encore le cas, euh, précipitez-vous. C'est un grand film de euh, Martin Scorsese. Donc, euh, n'hésitez pas. Et... Euh, et donc, évidemment, le premier cumul de, cette, de ce clin d'œil appuyé à l'extrême droite ultra-américaine, c'est lorsqu'il y a euh, euh, les, 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 les manifestations avec un mort. Euh, du côté de, de, de Charleston, où euh, Trump dit qu'il y a, avec des manifestations donc de l'extrême de gauche et de les, des manifestations de néo-nazis euh, de l'autre, et Trump explique qu'il y a des gens des deux euh, bons côtés. Et euh, donc l'expert a démontré en utilisant des chaînes Telegram, des, euh, des posts WhatsApp et sur les différents rendez-vous euh, en ligne de ces groupes-là, comment ça avait été vécu comme, comme une épiphanie, comme c'était le moment où tout le monde avait compris que Trump, c'était leur gars à la Maison Blanche. Et évidemment, dans ce moment-là, j'ai vu que Sylvie nous a, nous a rappelé ce moment, lorsque, au moment du débat, après avoir pendant des semaines refusé de condamner les Pratt Boys, il demande à en parler, au lieu, de, au lieu de les condamner de manière claire, encore une fois, il leur dit ⁇ Stand back and stand by ⁇ qui veut dire ⁇ Tenez-vous, reculé et tenez-vous prêt, qui en fait est un ordre militaire et qui a été vécu comme ça par ces groupes, preuve à l'appui. Donc, cette expertise est arrivée à un moment très intéressant qui est celui de... de, de le mois de décembre 2020, la fin du mois de décembre 2020, lorsque tous ces groupes euh, qui se rassemblent sous la bannière d'Alex Jones, qui est leur porte-parole médiatique, Alex Jones est le conspirateur, le complotiste numéro un euh, aux États-Unis, hein, qui, qui, qui est en procès, qui lui aussi a été condamné. C'est lui euh, qui a inventé euh, cette idée que euh, pour la tuerie de Newton, euh, Sandy Hook, que c'était des, des, des comédiens qui avaient remplacé les enfants et qu'il n'y avait pas d'enfants qui avaient été assassinés lors de cette tuerie dans une, dans une école maternelle. et donc alex jones euh, est devenu, à partir de euh, 2000, euh, 2019, euh, à partir de 2019 avant l'élection, est devenu la première chambre d'écho de cette idée que l'élection allait être volée. et c'est devenu de plus en plus important. et euh, je ne sais pas si on a la vidéo, thomas? oui, on a la vidéo. On arrive à ce moment qui est le 31 décembre. Et le 31 décembre, ou le 30 décembre, en tout cas à la fin du mois de décembre 2020, donc on est une semaine avant le 6 janvier, Trump a annoncé qu'il euh, allait y avoir cet événement. Il a tweeté sur le fait qu'il euh, fallait absolument venir. Donc le 19 décembre, vous avez ce tweet que vous voyez à l'écran où euh, il dit euh, énorme manifestation à DC, donc à Washington. Le, 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 le 6 janvier, euh, soyez là, euh, ça, va être, ça va être fou. Et ce Be Wild, la manière dont c'est formulé, euh, correspond, démontré par l'expert, à, encore une fois, à du langage, à une, form à une formulation utilisée par les milieux mili de milices aux États-Unis qui comprennent parfaitement ce que ça veut dire. Euh, hier, l'expert a montré une chaîne Telegram, qui est la chaîne Telegram de discussion des Pratt Boys, qui en parle. Euh, on a très peu d'informations parce que euh, cette chaîne a été partiellement, les messages ont été partiellement effacés avant leur procès euh, par les Proud Boys, mais il y a encore des traces en disant, voilà, euh, Trump euh, a, demande aux Proud Boys d'être le, euh, le 6 janvier à Washington. Et donc, on arrive à ce moment qui est Alex Jones, les vidéos d'Alex Jones sont online, elles sont à ce moment-là partagées, sur tous euh, les réseaux sociaux, on se souvient que à ce moment-là euh, Trump mais aussi tous ses fidèles ont encore des comptes sur, euh, sur Twitter. Et il fait cette émission spéciale où il invite euh, plusieurs de ses, euh, de, ses, de ses contributeurs habituels. donc Tim Po euh, qui aujourd'hui est un des, des, des youtubeurs préférés, il n'est plus sur YouTube, et est sur Rumble, je pense. Mais euh, il a été viré de YouTube. Mais hein, en tout cas, un des podcasters de la droite euh, américaine préférée de Elon Musk. Donc, il, il invite euh, tout ce monde-là à expliquer pourquoi c'est important d'être là le 6 janvier. Et l'émission termine pendant 20 minutes par euh, le témoignage que vous allez voir, qui est un des contributeurs de l'émission de Jones, qui explique pourquoi il faut être à Washington le 6 janvier. On le regarde tout de suite. We're going to only be saved by millions of Americans moving to Washington, occupying the entire area, if if necessary, storming right into the Capitol. You know, there we we know the rules of engagement. If you have enough people, you can push down any kind of a fence or a wall. But if not enough patriots show up, then we're just going to watch our freedom. Go down the drain. If anybody thinks, and I hope on this show they don't think it, don't worry. In two years, we'll win. We'll get them back. That's what they thought in Venezuela. Don't worry about this, Hugo Chavez. He'll wreck the economy and then the conservatives will win the next election. No, folks. If they can steal an election right in front of our face on video with, you know, hundreds of thousands of fake.

Sur Space, euh, ce qu'il ne pouvait euh, pas voir. Donc, moralité, c'est super sympa de nous écouter sur Space, mais euh, venez euh, plutôt <laughs> nous écouter sur, euh, sur YouTube euh, ou sur Twitch. Euh, c'est plus sympa. Vous avez les images et donc euh, des documents. Donc, c'est un document qui a été. C'est la vidéo que je vous ai montrée. Euh, elle est peu connue. Elle a peu circulé. Et elle a été utilisée hier. Pourquoi elle est importante Donc, on a Matthew Bracken qui est. Euh un contributeur d'Alex Jones, qui euh, vient de parler pendant 20 minutes de comment l'appel de Trump du Be There, be, uh, There Will Be Wild, le tweet qu'on vous a montré il y a 30 secondes, euh, était un appel de Trump à venir à Washington sauver, uh, sauver l'Amérique. Et là, on va beaucoup plus loin, parce que nous sommes à une semaine avant le 6 janvier, et Matt Bracken explique clairement, qu'il va falloir s'attaquer au Capitole. Et non seulement il explique la nécessité d'aller prendre le Capitole, mais il dit, voilà, vous inquiétez pas, on sera, trop on sera trop nombreux et les barrières ne pourront pas résister à ça. Et puis après, il part dans une justification qui est extrêmement intéressante, qui est à garder en tête, qui est... Euh, le fait que si les patriotes américains ne viennent pas à Washington le 6 janvier et ne sont pas prêts à attaquer le Capitole, euh, dans la réalité, les États-Unis vont, euh, euh, vont, vont tomber dans le... Dans, dans, une, dans une forme de dictature communiste. Il cite par exemple l'exemple du Venezuela, qui est, une, qui, est un, qui est un pays qui obsède la droite, la droite américaine, qui est persuadé que les États-Unis, du jour au lendemain, peuvent devenir un Venezuela, euh, un Venezuela bis. Donc, on garde tout ça en tête, parce qu'on se retrouve le 6 janvier, et donc l'expert analyse le fameux discours, euh, discours de, de, euh, de Ellipse. Et, euh, et là, on va retrouver dans le discours de Trump exactement les, les, les mentions clés qui vont faire réagir l'extrême droite américaine, qui sont celles défendues par Bracken. Trump ne dit pas on va prendre d'assaut le Capitole, les barrières ne vont pas réussir, mais il dit on va marcher. Et lorsque à chaque fois, pendant trois fois, il dit on va marcher sur le Capitole, à chaque fois qu'il fait ça, tout de suite, il explique parce que si, euh, si euh, on est faible, euh, notre pays va périr. Euh, si, euh, il faut exprimer de la force. Donc à chaque fois, il y a le parallèle entre euh, une action, on marche sur le Capitole, et tout de suite après, une raison. On marche le Capitole parce que si on marche pas le Capitole, je vais perdre l'élection. Euh, si on marche pas le, sur le Capitole, c'est que vous manquez de courage. Il dit ça à ses supporters. Et il dit voilà, il faut du courage pour faire ça. Donc, c'est le courage d'aller euh, attaquer, euh, attaquer, euh, attaquer le Capitole. Et donc, cet expert a, euh, a fait quelque chose de complètement simple. Il a, par exemple, analysé. Le nombre de fois où Trump utilisait le mot il faut aller se battre, fight, d'accord À parler de combat, que pour que la démocratie survive, pour que les États-Unis, pas la démocratie, c'est pas un terme qu'il a utilisé, excusez-moi, mais que pour, le, 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 pour que le, le, les États-Unis survivent, pour que le pays survive, il faut aller combattre. On va aller marcher sur le Capitole pour que les, euh, les états-unis euh, continuent à vivre, pour pas que le, ce pays soit détruit, il faut aller combattre. et donc, il a fait cette étude euh, de, de, de compter le nombre de, le nombre de fois euh, le nombre de fois où euh, trump a dit ça. et dans son discours, il a utilisé le mot fight plus de 20 fois. d'accord. et donc, l'excuse qui est mis en avant par les pro-Trump, et de dire oui, mais dans son discours, il a aussi dit, euh, on va aller protester de manière pacifiste. Et c'est là qu'on tombe, rappelez-vous, je vous, je vous en parlais au début, dans ce concept de plausible deniability où, à un moment, comme dans un tweet, comme dans un discours, Trump va dire quelque chose qui est sa porte de sortie. Et l'argument de l'expert, et la juge a été ébranlée par cette, par cette par, elle l'a dit, cet élément élément là, c'est un élément très fort pour euh, prouver que trump a incité euh, à l'insurrection. À c'est que il a utilisé donc le concept de il faut aller combattre, le mot fight plus de 20 fois. et dans cet ensemble de discours, il a utilisé le concept de il faut aller protester pacifiquement, peacefully, une seule fois. et aujourd'hui, ses supporters et trump Utilise cette seule fois dans un discours qui est extrêmement violent et qui est belligérant et qui est un appel à l'action pour essayer de se dédouaner en disant Non, mais attendez, il a dit pacifiquement. Oui, mais 20 fois, il a dit il faut aller combattre. Vous voyez, le, vous voyez la différence. Donc ça, c'était vraiment euh, un, moment, euh, un moment extrêmement fort. Donc évidemment, l'avocat est arrivé derrière et lorsqu'on a des experts de cette qualité-là, euh, les attaquer, c'est un petit peu compliqué. Donc la première chose, il a essayé de, de préciser que, euh, que l'expert était payé. Donc, oui, comme n'importe quel expert dans les tribunaux aux États-Unis. D'ailleurs, l'expert en question n'était pas du tout gêné de ça, en expliquant qu'il avait touché 35 000 dollars pour, pour faire son étude, 300 dollars de l'heure. Euh, après, il lui a demandé depuis quand il était expert et depuis quand il suivait ces mouvements-là. Il a expliqué que c'était depuis 1997. Il a raconté comment l'élection de Obama avait été un premier catalyseur. De, de, de recrutement et d'énergie de ces milices et entre autres de ces mouvements comme les off-keepers qui euh, ne supportaient pas l'idée d'avoir un président euh, comme Obama. Comme Obama, ça veut dire un noir américain à la tête des États-Unis. Ça avait été pour eux la, 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 la premier, un premier élan et que le deuxième élan, évidemment, ça avait été l'élection de Trump. Donc il explique que depuis 1997, il... Travaille uniquement, il enseigne sur, euh, sur les, les mouvements, euh, la, la, les branches violentes de l'extrême droite américaine, qu'il a rencontré euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs membres de ces milices, il les a interviewés, il est allé même euh, vivre euh, avec eux pendant un moment euh, pour les suivre au quotidien, interroger leur famille une vraie méthodologie. Et l'avocat dit "Ouais mais bon vous avez commencé en 1997. là on est en 2023 bon peut-être que est-ce que vous est-ce que vous en avez réinterrogé l'année dernière". Et donc il dit "Non l'année dernière je l'ai pas fait". Et donc l'avocat essaie d'expliquer que ouais mais bon peut-être tout ça a changé depuis <laughs> depuis euh, depuis l'année dernière et que donc ces personnes-là ne réfléchissent, réfléchissent pas de la même manière. Et donc ça ça a été une partie et l'autre partie qui Rejoint, vous, vous souvenez, lorsqu'il y a eu Hodges et d'autres qui sont venus de leur expliquer qu'ils n'avaient pas la capacité de, euh, de lire dans les, dans, dans, dans les esprits, euh, là il a fait un petit peu pareil en commençant sur une tangente que au début, mais personne n'a compris en demandant euh, à l'expert en question s'il connaissait le film Dumb and Dumber. Donc, Dumb and Dumber, c'est ce film, cette comédie euh, avec, euh, avec Jim Carrey. Euh, qui euh, raconte euh, les, le parcours de deux idiots de, 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 de dimension, de dimension euh, internationale. Et, de, 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 et donc l'avocat, parce que l'expert ne connaît pas le film, donc l'avocat commence à expliquer le film, un moment surréaliste à la cour, et il dit, bah, vous voyez, il y a cette scène où il y a euh, Jim Carrey. Qui, essaye de, qui, 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 veut, qui est tombé amoureux de cette, de cette fille qui est, qui est extraordinaire. Et euh, en gros, à un moment, elle, elle n'en veut pas, bien évidemment. Et, euh, euh, elle, euh, et et lui, donc, lui dit, mais si un jour, il n'y a plus personne, et, euh, et on est les derniers survivants, et en gros, dit, oui, il y a une chance sur un million qu'on soit ensemble. Et lui, de cette chance sur un million, euh, il en fait la conclusion que euh, alors il y a une chance, c'est-à-dire qu'il tourne le côté positif du truc en expliquant que même si on lui dit qu'il y a une chance sur un million, qu'il y a une probabilité que ça se, ne se passe pas, lui dit ⁇ Ah ben... Ah, alors ça veut dire que j'ai une chance donc il il, il, ent, il entend que ça et donc l'avocat utilise cet, cet argument en disant que euh, Trump a été euh, ouais effectivement Trump a fait ses discours mais le lendemain il a modifié ça et que donc c'est euh, les, les, les tous égaux à qui étaient là le, le, le 6 janvier euh, le 6 janvier 2021, tous ces extrémistes, pratt boys, of keepers, qui ont soutenu trump pendant sa présidence et qui étaient prêts à faire le coup de main pour lui, en fait, ils imaginaient dans leur tête, euh, le, le, ils imaginaient dans leur tête le fait que trump leur parlait et que c'est comme dans dumb and dumber que l'extrême droite c'est jim carrey, la fille sexy euh, c'est trump, que trump leur parlait de tout à fait autre chose et les, les condamnait. Et puis, euh, en fait, eux entendaient que ce qu'ils voulaient entendre. Est-ce que cet argu argument va porter euh, Sincèrement, euh, je, je, je ne le crois pas. Donc ça, c'était hier. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais d'abord, une petite pause de 30 secondes, le temps que je me rafraîchisse. Merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui sur, 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 sur Space, sur Twitter, mais euh, X donc, mais aussi, euh, mais aussi sur, euh, sur Twitch, sur Facebook et sur YouTube ou sur YouTube dit bon après la théorie Jim Carrey explique tout Trump pense être dans le Truman Show. Oui, il y a cette dimension là, mais euh, lorsque euh, lorsque on suit plusieurs, comme je le fais actuellement, lorsqu'on suit plusieurs procès en parallèle, et donc où on est face à euh, différents avocats, dont certains qui ont des bonnes renommées. D'accord, je, 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 je ne connais pas le, la, la, la renommée de l'avocat la, de, euh, de Trump euh, au Colorado. On se rend compte que, euh, on en revient encore une fois à ce que je vous expliquais en termes de justice. La stratégie d'un avocat, en premier, c'est le dossier. Quand le dossier est pas bon, pas bon, il essaye de trouver des raisons dans la loi de se protéger. Et quand dans la loi elle va pas dans son client, il tape sur la table, il fait du bruit, et, entre, et, et, et on se retrouve vraiment dans, 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 dans cette, dans dans cette dimension-là où les, les, avocats de, les avocats de Trump sont. N'ont pas grand chose à présenter dans les tribunaux. Alors, c'est assez ironique parce que lorsqu'on croit les adeptes du plan euh, qui nous expliquent depuis des années, en fait, Trump est plus malin que tout le monde et est en train de piéger la terre entière, chaque fois on nous dit Mais, mais quand on va arriver au procès, ça va péter là. Quand on va arriver au procès, vous allez voir ce que vous allez voir, les dossiers vont sortir. Bon, il n'a pas fait en 2020 pour les 66 procédures qu'il a perdues. Depuis, il y a eu des, des recontes à droite, à gauche, avec des, des, procédures, devant judiciaire. il y a des, des procédures judiciaires. Il n'y a rien qui a été présenté. Et là, on commence des procès avec des questions extrêmement importantes, comme par exemple, si Trump peut être candidat euh, en 2025. Et encore une fois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais bon, parenthèse. Le. Euh... La journée hier s'est terminée par euh, un témoignage extrêmement intéressant d'un autre professeur. Euh, intéressant parce qu'au cœur de ce qui est en train de se passer, ce qui à mesure que je vous parle, et qui est un énorme problème euh, pour Trump, euh, donc c'est le professeur Banks qui est venu, euh, venu parler, et euh, qui a, euh, qui a euh, détaillé une des questions très importantes qui était l'absence... De force de l'ordre, l'absence de la garde nationale qui était à quelques kilomètres du euh, Capitole et qui n'a pas été déployée ce jour-là. Malgré, on le sait, les demandes de euh, plusieurs, euh, plusieurs élus, les demandes de, de membres de la police, les demandes, de, y compris de la, de la garde nationale, d'intervenir, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé alors que euh, le président a la possibilité sur simple demande, de déployer 1100 hommes de la garde nationale. Et donc Trump s'est euh, toujours euh, caché sur une déclaration contraire, en expliquant que euh, lui, euh, il avait proposé qu'entre 20 et euh, 30, 000, euh, 30 000 personnes Soit, euh, soit euh, déployé à Washington et que c'était Nancy Pelosi qui n'a pas ce pouvoir, mais que c'était Nancy Pelosi qui avait refusé. Et donc cet expert en, 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 en dans les procédures de la manière dit c'est faux. C'est faux, il n'en existe aucune preuve. Il n'existe aucune preuve, aucun document de la demande de Trump de déployer entre 20 et 30 000 personnes. Et il y a une obligation qui est des preuves. Parce qu'il dit voilà, la réalité, de manière automatique, le président peut déployer 1100 hommes. Il peut faire ça. Mais pour en déployer entre 20 et 30 000, il doit ce qu'on appelle fédéraliser euh, des euh, gardes nationales des États aux alentours. Parce qu'il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas de réserve euh, suffisante pour ça. Et pour fédéraliser, pour donner. Pour, pour, pour recruter, si vous voulez, ces 20 à 30 000 personnes, il y a toute une procédure de chaîne de commandement et d'ordre à suivre où il doit y avoir, pas un document, mais des dizaines de documents qui placent ces 20 à 30 000 hommes sous, euh, sous l'autorité la, la, du président des États-Unis. Et tous ces documents, on ne parle pas encore une fois d'un seul, n'existent pas personne n'a jamais reçu une demande écrite de Washington. Donc c'est un mensonge de Trump qu'a émis bien avant. Et donc là, actuellement, pendant que je vous parle, euh, il y a... Euh... Monsieur Cash Patel qui est en train de parler. Pourquoi je souris Parce que Cash Patel, je vous en ai déjà parlé, c'est un pro-Trumpiste qui, en quelques années, sous la présidence Trump, a eu une, a une, une carrière vraiment, une progression foudroyante. C'était quelqu'un qui était juste un assistant, un assistant par parlementaire qui s'est retrouvé dans. Euh, euh, dans la confiance et dans la confiance complète de Trump, qui a essayé de l'imposer comme patron de la CIA déjà euh, à, la fin de, à, la fin de, à la fin de la présidence, qui depuis euh, Cash Patel est devenu un auteur pour livres d'enfants euh, qui euh, raconte aux enfants comment... Euh, le, méchant, euh, le méchant Biden a volé l'élection à Trump. Euh, Trump souhaite que ses livres soient placés dans toutes les écoles s'il devient président. Et surtout, Cash Patel, et c'est beaucoup moins drôle, est un de ces pro-Trump qui prépare. Euh, ce, cette, ce glissement progressif euh, vers une dictature, une dictature présidentielle, si Trump est réélu et prend le pouvoir en 2025. On a fait euh, une émission à ce sujet-là il y a quelques semaines. Si vous ne l'avez pas encore vue... Allez la voir, euh, ce n'est pas une émission euh, sensationnelle malgré le titre, ce n'est pas du clickbait, ce n'est pas, euh, pas de la politique fiction, elle est basée uniquement sur des informations publiques, sur des, de, sur des, sur des documents, sur des déclarations, y compris de Trump, euh, sur l'idée de, euh, de, de ce que Trump souhaite faire et ce que Cash Patel euh, souhaite faire euh, après. Et donc Cash Patel, euh, à un moment, on en a pas mal parlé. Euh, Lorsqu'il euh, y a eu toute la polémique sur Trump et les documents secrets de Mar-a-Lago. On va en parler tout à l'heure, donc c'est parfait d'en parler déjà maintenant. Et donc, euh, au moment des documents cla classés de, de Mar-a-Lago, euh, Patel a été euh, le défenseur de cette théorie, encore une fois euh, complètement folle, que euh, Trump pouvait déclassifier des documents simplement par la force de sa pensée. Il suffisait que Trump pense y compris dans ses rêves, pense que ce document top secret, le plan pour, euh, le plan pour envahir l'Iran, euh, les, euh, les, euh, les, les positions des sous-marins nucléaires de, de la France, s'il décidait de déclassifier euh, tout ça, il suffisait qu'il y pense pour que c'était bon. Et donc H. Patel a à un moment été euh, évoqué euh, dans, du côté des Trumpistes comme celui qui allait venir... Témoigner lors du euh, procès euh, de Trump à venir à, à Palm Beach, à mar -a autour de documents pour dire que oui, il n'existe aucune preuve que ces documents étaient déclassifiés, mais je me souviens un soir en euh, buvant un café et euh, Trump a dit Tu vois, ce document-là que je prends avec moi, hop, il est déclassifié. D'accord C'est un. Là, je vous le raconte de manière un petit peu un petit peu humoristique, mais c'est vraiment un axe de défense de Trump. Et c'est tellement un axe de défense de Trump qui fait sourire tout le monde que personne ne prend en sérieux. Que la réalité, on vient de le voir il y a euh, juste il y a, il y a cinq minutes avant que je prenne l'antenne au Colorado où Cash Patel vient témoigner et Cash Patel, lorsque on lui dit euh, mais euh, hier on a entendu preuve à l'appui que euh, cette histoire de 20 à 30 000 c'est du bidon et qu'il n'existe pas de document. Il a dit ouais, mais moi je me rappelle, il me l'a dit. On en est là, on en est là. On a des, des anciens officiels Trump qui viennent du niveau, disant non mais je me rappelle, il me l'a dit. Euh, et donc euh, comme il me l'a dit, ça, euh, quand un président dit quelque chose, ça a autant de valeur que euh, s'il y avait un document. Donc quand on lui explique que, euh, que euh, qu'il devrait y avoir une procédure de documents qui existe. Il dit pas besoin. Pas besoin. Trump n'a pas besoin de ces documents-là. S'il dit je veux qu'il y ait 20-30 000 personnes, il y a 20-30 000 personnes. On en est là aujourd'hui dans la défense, dans la défense de, de Trump. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, l'avocat de la, de, la, de, la, de la défense. Euh, lui a fait préciser, bon, "Hier, vous nous avez voulu nous démontrer que notre expert était payé. Toi aujourd'hui, Cash Patel, vous aujourd'hui, Cash Patel, c'est qui qui vous paye ben, Je suis payé par euh, par Trump, 15 000 dollars par mois. Donc, euh, le témoin, le témoin qui vient euh, témoigner en faveur de Trump aujourd'hui est quelqu'un qui est rémunéré." Par une des PAC, donc le, un, un des groupes de, de gestion des fonds. Vous savez, quand, quand, quand Trump demande qu'on lui envoie de l'argent, ben, ça va à un groupe qui est sous l'autorité de Trump et ce groupe-là paye un salaire à cash patel. Donc, euh, encore une fois, on en revient à la question de vous deviez nous présenter des preuves, vous deviez nous présenter des dossiers, vous devrez nous, dev, deviez nous présenter tout ça. Finalement, vous nous présentez des témoins qui vous racontent ce souvenir de discussion, vous, euh, vous font une interprétation de la loi américaine en disant c'est normal qu'il n'y ait pas de preuves, et qui en plus de ça sont salariés euh, du, même, du même groupe. Donc ça c'était pour Banks et pour Patel qui est en cours. On a aussi euh, entendu ce matin un expert, parce que n'oublions pas que le procès était quand même lié, et lié. À ce fameux, ce fameux amendement de la Constitution. On a entendu ce matin un expert, euh, qui est le plus grand expert aux États-Unis, un des plus grands experts, en tout cas, il ne doit pas y en avoir beaucoup, euh, qui s'appelle Gérard, euh, Gérard euh, Magliocca, euh, un expert de la, du, du 14e amendement et de cette fameuse section 3. Hein, c'est vraiment précis comme, euh, comme, comme degré d'expertise, mais c'est son cas. Et ce qui est intéressant, c'est que. Euh, il a fait un, une première étude qui est devenue une référence en euh, 2020 donc avant que le cas Trump se, se, se pose et euh, aujourd'hui euh, il a défini ce qui était une des questions du juge euh, qu'est-ce qu qu'une qu qu euh, une insurrection dans le terme euh, dans, le, dans, le, dans la définition, et entre autres, la définition juridique du terme. Qu'est-ce qu'une insurrection et euh, quelle est la définition d'en faire partie Et quand j'ai écouté cette expertise ce matin, évidemment, elle ne va pas préjuger de la décision de la magistrate ou de la Cour suprême, mais pour moi, elle a replacé tout le cadre du 14e amendement de la section 3, euh, dans, un, dans, dans, dans une vision plus juste. Et cette vision plus juste, c'est que aujourd'hui, j'attends les arguments contraires, je ne vois pas pourquoi une Cour et la, et, et, et la Cour suprême refuseraient d'appliquer cette loi. Parce que par exemple, une insurrection, contrairement à cette espèce de vision que l'on a, elle n'a pas besoin d'être... Violente. Même s'il y a eu des actes de violence, une, une, une insurrection dans le sens de la loi telle qu'elle a été écrite à l'époque, et il y a cité des dizaines et des dizaines de recherches différentes, c'est lorsque on, on fait, une, on, on, on intervient pour empêcher, pour empêcher l'exécution d'une loi. Là, la loi, c'est le code électoral. La loi, c'est le calendrier électoral. C'est le 6 janvier, on devait euh, certifier l'élection euh, de euh, Joe Biden, comme tous les quatre ans. Le 6 janvier, il y a cette procédure euh, du Congrès euh, présidée par le vice-président des États-Unis. Et donc, ça, c'était la loi. Et Trump, par ses actes, son discours, a essayé d'empêcher l'exécution de cette loi. On tombe en 100% dedans. Il est revenu sur la question de est-ce que c'était nécessaire qu'il y ait eu une condamnation Et donc, il a parlé de, de différents cas euh, dans l'histoire et de définitions qui montrent que non, il n'y a pas besoin d'une condamnation pour euh, qu'un qu tribunal ou que le Congrès ait établi que oui, vous étiez responsable d'avoir participé ou d'avoir soutenu euh, cette insurrection-là. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et donc, en met bout à bout le témoignage de MacLeodga, on se rend compte que au delà des questions de savoir quelles sont les motivations, ce sont des gens d'extrême droite, d'extrême gauche qui sont derrière, il y a une véritable question de droit aux États-Unis. Et que les éléments qu'on a à notre disposition aujourd'hui, les éléments historiques, vont plutôt dans le sens de, du fait que Trump ne peut pas être qualifié pour, euh, pour, pour l'élection et que Trump doit être déclaré inéligible. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas. On va entendre euh, aujourd'hui et demain les contre-arguments les contre qui vont permettre après à la, à la magistrate de se décider. J'imagine qu'au-delà de Cash Pater, euh, Trump et le Parti républicain vont présenter des, des, des témoins plus solides et entre autres des experts en droit de la Constitution. Mais ce matin, ça m'a vraiment frappé. Ce témoignage de cet expert en constitution, c'est de se dire, OK, il y a un dossier, il y a une véritable question. Et on en revient à ce que je vous dis depuis le début, ma position est que s'il y a un dossier suffisamment fort, s'il si n'y a aucun doute sur le fait que Trump, par son propos, ait incité les gens à venir à Washington et à participer, à cette, à, cette, à cette insurrection, en utilisant par exemple 20 fois le, le concept de il faut aller combattre et une fois pacifiquement, la Cour suprême doit rentrer avant que ça soit trop tard dans ce débat-là et prendre une position claire sur la question. Comme elle a pris une position claire mais controversée, en, en 2000, dans le, dans le débat entre Bush et Gore. Il y a eu une position claire parce que c'est la décision de la Cour suprême qui a arrêté le recompte en Floride et qui a permis à George Bush, George W Bush, de devenir euh, président des États-Unis. Il faut que la Cour suprême le fasse. Si aujourd'hui je devais me prononcer sur ce qui s'est passé au Colorado, aux réactions de la magistrate, aux quelques commentaires, hier, il y a eu un moment qui est rare, rare dans des débats, euh, dans des audiences, lorsque le... il y a eu cette fameuse analyse du, du discours de Trump euh, à Ellipse, donc avant, le 6 janvier 2021, avant d'envahir le Capitole, euh, lorsque il a démontré, extrait par extrait, tous les appels de Trump à la force, euh, à la violence, à l'absence de faiblesse. La magistrate a dit, euh, euh, quand on voit comme ça, c'est extrêmement clair. Quand on voit comme ça, c'est extrêmement clair. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le dossier présenté par Crew euh, était extrêmement euh, fort. Que de l'autre côté, les réponses, les, 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 les tentatives d'essayer de, 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 de mettre à terre ces, euh, ces témoignages euh, ont été d'une faiblesse, mais euh, sidérale. Hein, de, de Dumb and Number à vous n'êtes pas capable de lire les esprits, les esprits de gens sur des photos ou, des, ou, ou en général euh, dans la foule. Si aujourd'hui je devais me prononcer, on va voir ce qui va se passer demain. Si aujourd'hui je devais me prononcer, je pense que la magistrate euh, dans, du Colorado va décider, on va la savoir très vite, avant le 20 novembre, va décider que Trump ne peut pas se présenter. Au Colorado. Elle va décider ça. Il va y avoir une procédure d'appel qui devrait donner son avis avant le 5 janvier. Et à partir de là, il y aura une nouvelle session d'appel qui devrait monter jusqu'à la Cour suprême. Mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui après trois jours d'expertise de, euh, et de témoignages euh, dans le Colorado. Évidemment, je vais continuer à suivre ça parce que... Je trouve que, c'est un, ça vous intéresse, mais deux, je trouve ça c'est extrêmement, euh, extrêmement, euh, extrêmement passionnant. Euh, voilà, je, on va passer tout de suite à euh, Palm Beach, à la Juge Canon, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi à vous raconter. On balance un jingle. Je prends un petit peu de thé, d'ailleurs. Si, euh, si vous avez l'emoji, euh, c'est le moment euh, de le sortir. Et puis, on se retrouve tout de suite. Document secret de Maralago, donc. Troisième, troisième dossier du jour, vous voyez une actualité qui est, qui est extrêmement chargée et qui va encore, d'après moi, s'amplifier. Soyez extrêmement vigilants dans les heures et peut-être les jours prochains sur ce qui va se passer à Washington au niveau du gag order de Trump et en réponse à ces deux derniers messages qui attaquaient directement Bill Barr et Mark Meadows. Soyons extrêmement vigilants. Lorsqu'on suit Trump, lorsque, comme je le suis depuis 2015, ces derniers jours euh, sont assez significatifs d'une inquiétude, d'une inquiétude très forte dans le camp des Trump, dans le camp Trump et chez Trump lui-même, d'une inquiétude très forte de se retrouver euh, en prison pour euh, peut-être quelques jours suite à, à, à ces dernières attaques verbales, suite à la demande du procureur Smith de euh, changer les conditions de son gag order. C'est un sujet qui est devenu euh, omniprésent. Trump a une espèce de crise d'angoisse l'autre nuit à 4h du matin, c'est extrêmement rare que euh, Trump tweet à 4h du matin, il s'était sur Trouve Social et c'était des, des messages qui euh, dénotaient euh, un excès de, de panique chez lui, il est complètement inquiet et hier son avocate Sylvie me l'a signalé sur Twitter, merci, merci Sylvie Payette. Euh, son avocate est venue euh, à la télévision euh, dans une chaîne pro-Trump sur Newsmax euh, pour expliquer qu'il ne fallait pas s'inquiéter, Trump n'allait pas, pas aller en prison parce qu'il était protégé par le Secret Service, qui est à peu près euh, l'excuse la plus bidon jamais donnée dans l'histoire des excuses bidons. Ce n'est pas parce que Trump a droit, comme n'importe quel ancien président, à une protection du, du, du Secret Service que s'il doit être condamné, il ne pourra pas... Pourra échapper à une peine de prison, donc ça risque de bouger très fort. Peut-être avec un dernier avertissement avant emprisonnement, mais ça risque de bouger très fort dans les jours prochains. Sur la question, dans les heures peut-être, mais dans les jours prochains, la question des conditions du gag order de Trump et de, et de ces deux derniers messages qui sont de l'insurbernation de témoins, qui sont des, euh, des crimes fédéraux, hein, c'est absolument interdit. Ces deux derniers messages, gag order ou pas gag order, euh, tombent sous le coup de la loi. Et euh, je ne vois pas la juge Shutkan les ignorer, je ne vois pas Smith. Euh, les ignorer et ne pas les soumettre à la magistrate pour lui demander euh, d'agir donc on va voir euh, ce qui se passe si, donc soyez vigilants ce qui m'amène à vous rappeler je l'ai pas encore fait que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne youtube abonnez-vous euh, sans euh, plus attendre et cliquez sur la sonnette de notification d'autant plus que la semaine prochaine lundi et mardi lundi et mardi on va être en direct dans des horaires qui ne sont pas habituels, des horaires dont je ne peux même pas euh, vous donner parce que personne ne les connaît. Ils dépendent de, à l'heure du début de la déposition de Trump. On va vivre hein, lundi, lundi 6, on va vivre minute par minute la déposition de Trump euh, à New York. Et puis, le, le mardi, on va continuer s'il si continue. Et au-delà de ça, mardi, on va vous faire une soirée électorale euh, particulière, la première soirée euh, électorale de la chute, qui va vous permettre avant, avant tout le monde de savoir ce qui s'est passé euh, dans des États où, euh, où, qui vont jouer un rôle clé en 2024. en 2024. On va parler de la Pennsylvanie, par exemple, qui euh, va voter pour des personnes qui vont déterminer les conditions du scrutin en 2024. La Pennsylvanie, c'est un des États clés que Trump doit impérativement emporter. Et donc pour emporter cet État-là, il a mis des candidats en place qui lui sont d'une fidélité absolue. Et si ces candidats-là gagnent en 2024, on va se retrouver face à des situations compliquées où ce, sera des pro, ce seront des pro-Trump qui seront dans la position de certifier les résultats de l'élection. D'accord C'est vraiment un des enjeux de mardi prochain. Donc on sera là mardi prochain. Donc encore une fois, si ce n'est pas encore le cas, allez, euh, allez vous inscrire. Je vais euh, faire une pause d'une seconde, donner la parole. Euh, effectivement, j'ai complètement oublié qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la chute normale, mais on est dans le space de la chute. Si vous avez des questions d'ailleurs sur les deux premiers sujets. New York. Et le Colorado, c'est le moment de le faire. Pas des questions sur, euh, pas des questions, s'il vous plaît, sur la Floride. Je vais en parler tout de suite après. Pas des questions sur d'autres sujets parce qu'on n'aura pas le temps. Euh, donc, si vous avez des questions sur Space, sur Facebook, sur Twitch, s'il vous plaît, sur euh, sur YouTube, euh, dans le chat, c'est le moment de les poser. Je vais donner la parole à un habitué de l'émission euh, qui intervient à chaque émission, qui est euh, Louis Martin euh, du euh, du Canada. Euh, Louis euh, Martin, c'est à toi, tout de suite. Non, oui, c'est parti. J'arrive. Voilà, c'est parti. Euh, je suis comme toi, multitasking informatique. Euh, le temps de me mettre à gauche, à droite, mais je suis là. Est-ce que bien. tu m'entends? Formidable. Merci. Euh, J'ai pris des notes. Oh là. Oh là oh là oh là, mais regarde, je suis ce que tu dis. Très bien. Euh, Laisse-moi. OK. Première note que tu n'as pas dit, mais que j'ai lu. Bon, je suis comme toi. Là. Bon, Pour tes auditeurs, moi, je vis à Montréal. Montréal, c'est au nord, c'est au Canada, au nord des États-Unis, dans la province de Québec. Donc, euh, puis je, lis, je suis comme toi, bilingue. Là. Puis je lis le New York Times, Washington Post, etc. Trump m'a dit dernièrement qu'il était prêt à aller faire de la prison parce qu'il se comparait à Nelson Mandela. Ouch! 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 T'as dû le lire comme moi, toi aussi. Oui, oui. Ouais. Ouch! Ok, si tu vois mais Nelson Mandela, quel beau combat euh, parallèle. Oui, hein? oui. Ouais. Je, je pense que, que, que c'est qu'une posture. La, 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 on, ah, on pose souvent la question. Plaisir. Oh, ouais. C'était pour faire plaisir à euh, son, son histoire. Hein, exactement, c'est exactement ça, c'est une posture, je pense que dans la mais, réalité, il n'a pas du tout envie d'aller en prison, euh, c'est pas bon pour non, lui mais, dans tous les cas, et bah, c'est une posture. Mais voyons donc, mais voyons, qui peut croire, qui, quelle personne peut croire que Nelson Mandela et, et Trump, Donald J. Trump, ont le même combat, voyons donc. Non, non, je voyons sais, donc. je sais. Voyons, ok. Ok. Deuxième chose qui revient à ce que tu disais avant qu'on passe à autre chose, la droite républicaine. Mais elle a toujours été là. Elle a toujours. Pour... Et je vais, euh, je vais dans le sens que tu as parlé pour nos amis français. Elle a toujours été là. Euh, L'assassinat de Kennedy, c'était la droite républicaine. Euh, tout le reste. Euh, moi, je me rappelle, là, quand j'étais jeune adulte, là, puis euh, j'allais passer mes vacances dans le Maine, puis que les, les Américains, quand je leur parlais, s'excusaient pour Fish, le fils Bush de ce ouais. qui se passait. Oui, c'est vrai. vrai. Avant le 6 septembre. Je sais pas moi, William, ça fait combien de temps que tu vis aux États-Unis quand je m'excuse je te tutoie, mais tu avais dit qu'on pouvait pas trouver. Ça fait plus de 25 ans que, que je suis aux États-Unis. C'est voilà. ça. Donc, euh, donc euh, toi aussi, euh, tu as vu voir des Américains qui sont excusés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis, dans la rue, tu ne connais pas leur prénom, tu ne connais pas leur famille, mais ils comprennent que tu es un touriste. Puis, ils font hey, « Wow, on s'excuse, là. Ce n'est pas nous, là. » Fait que c'est pas au niveau. La seule chose qui est différente, puis c'est là-dessus que tu pourras discuter, qu'on qu discutera, si tu permets, que Trump, il fait plus de bruit que les autres. Oui. Trump puis, a été. Ouais, vas-y, 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 continue, je t'en prie. Puis tout le, 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 le. Comment je vais dire ça? Se rendre en cours, c'est pas un choix délibéré. C'est pas un choix direct délibéré. Mais c'est sa game. C'est pas nouveau, là. Quand il était en business, c'est comme ça qu'il réglait ses affaires, Ce C'est pas nouveau, là. C'est pas quelque chose pour lui qui est euh, un goût de baguette magique. Tard! Oh, je m'en vais en cours. Ah oh, c'est le fun. Mais non. C'est sa game à lui, euh, C'est. Je m'excuse, là, je parle en anglais, mais c'est... C'est, ça, euh, comment dire ça? C'est sa vie à lui. Ouais. Il a fait sa business comme ça, lui. D'aller en cours, de mal payer ses, ses gens ou de pas payer. Ses contracteurs, ah, oh, je paye plus, on s'en va en cours. C'est vraiment une stratégie chez lui et, et, et qu'on voit. Je parlais du Minnesota, a du, du Minnesota tout à l'heure où euh, il attaque des personnes qui ne sont pas encore prononcées sur quoi que ce soit de manière préventive, mais ça en fait pour essayer de leur couper les jambes et de les effrayer, de se dire Mon Dieu, mais si jamais dans une semaine on, on dit que Trump ne peut pas se présenter, il, il, va, il, il, va, il va nous traîner devant les tribunaux parce qu'il a déjà commencé à nous atta attaquer. Et puis sur la, la question de l'extrême droite et, et de Trump, effectivement, c'est que et c'était vraiment une des, une des parties très intéressantes hier, c'est de montrer qu'effectivement ce sont des mouvements qui existaient avant, qui ont eu plusieurs périodes. Euh, mmh. où, elles sont, où elles sont montées en puissance euh, dans l'histoire des États-Unis. On se souvient, de, on en reparlera tout à l'heure, de, de, de l'attaque, par exemple, à Oklahoma City, du, euh, du siège du FBI, euh, donc dans, dans les exemples plus récents. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui a existé. Mais Trump a vraiment été, et c'est peut-être le coup de génie de Steve Bannon, si on peut se permettre de le dire comme ça, a été cette, cette espèce de catalysateur, comme si on versait. De l'essence sur un incendie qui existait déjà. Et ça a pris feu, et euh, la présidence de Trump a continué à donner ses gages de, euh, de, ga de, 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 de garantie, de complicité euh, avec ces mouvements-là qui, du coup, ont été euh, présentes euh, au en, 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 le, le 6 janvier et qui étaient sur le terrain. On le voit dans l'organisation des Pratt Boys qui sont arrivés trois jours avant qui ont préparé tout ça, qui ont fait un pacte de non-agression, parce qu'il y a une concurrence très forte dans ce groupe-là, qui ont fait mmh. un pacte de non-agression avec les, euh, les, euh, les, les off-keepers pour travailler à un but commun qui était d'empêcher euh, cette certification, de créer cette crise constitutionnelle qui renvoyait la euh, responsabilité au state legislature dans, dans les États. Et qu qui aurait permis de rester à Trump. Donc, euh, vraiment, il, il, il y a eu cette volonté, euh, cette volonté organisée. Si tu permets, je te reviens à la, à la, au même commentaire. Ce n'est pas une question, au même commentaire de la dernière fois que j'ai parlé. Pourquoi il y avait des vides blindés si il y avait tous ces packs-là? Puis, euh, je suis comme toi, j'ai à peu près les mêmes informations parce que je suis lingue comme toi. Puis j'ai à peu près mes informations, sauf c'est intéressant de la façon qu'ils discutent, toi. Mais pourquoi il y a des vides blindés, puis il n'y en a jamais en temps normal? Puis là, il y en avait. Non, c est, c est, c est, on en a parlé de la même si Même si les gens étaient proches, même si les gens étaient très proches ou plus proches, pourquoi là, il y en avait? Mm. Puis c'est quand on tourne le, 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 le sujet. On m'a dit euh, la, le sujet, la conversation, puis qu'on se dit, oh, attendez une minute, là, il n'y en a jamais, puis là, il y en a. Oh, attendez une minute. Il y a quelque chose qui est différent des autres fois. Trop petit point. C'est une, une, une bonne remarque. Euh, si euh, si euh, tu n'as pas d'autres remarques, d'autres questions, je vais prendre d'autres questions. Il y a du monde qui voudrait parler. Tout à fait d'accord avec toi. Bah, en tout cas, merci beaucoup de ton intervention et puis à la prochaine fois. Okay? Diggidou, bye. Bye bye. Oui, donc Thomas, tu me montrais des questions sur le, le chat euh, de euh, Anto. Y a-t-il un jury dans le Colorado ou c'est la juge qui décide seule. Euh, c'est une bonne question. C'est à la magistrate de décider seule. Il n'y a pas de jury de jury euh, public. Hein. Les jurys ne sont pas forcément. Euh, c'est pas systématique. Ça dépend des procédures. Dans la, cette procédure là, c'est la magistrate à la fin qui prendra sa décision. Est-ce qu'on a une autre question? Euh, Luna qui demande s'il va en prison ça risque de le booster non sans parler du cash qu'il va engager en se victimisant. Ouais mais il y a une limite à ça. Ça va le booster, c'est pareil est ce qu'on dit à chaque fois qu'il est inculpé ou que ça va le booster mais ça va le booster vers qui De qui Ça va le booster au niveau de sa base où il est déjà pas mal au maximum. Est-ce que ça va le booster auprès des électeurs républicains qui ont des doutes Non je crois pas. Est-ce que ça va le booster au niveau des électeurs centristes qui se demandent... Euh, qui sont pas vraiment impliqués dans ces questions politiques et qui vont voir que euh, il est euh, il se retrouve condamné pour pour euh, pour non-respect de la loi comme n'importe quel autre citoyen américain non je pense pas ou en tout cas ce sera des choses sera des choses à court terme je pense pas que ça soit quelque chose de positif pour lui est-ce que ça lui permettra de lever de l'argent oui, forcément, euh, c'est sa stratégie, c'est pour ça qu'il était là à New York, c'était pour lever de l'argent, euh, c'est pour ça qu'il a rentabilisé quand ça, au maximum sans mugshot en. en euh, euh, en, en, en Géorgie, sa stratégie aujourd'hui, c'est euh, effectivement de lever de l'argent sur ces sur ces scandales politiques, parce que dans la réalité, sur le avant que tous ces scandales se passent, on voyait qu'il y avait, euh, il commençait à avoir un ralentissement. Mais là, c'est pareil, on va atteindre, on va atteindre, on va atteindre des limites. Et puis de toute façon, cet argent, on le sait tous, c'est pour payer des avocats, pour payer des cash patel qui vont venir témoigner, ou payer des avocats de personnes qui pourraient comme on va le voir en, en Floride, euh, qui pourrait venir aujourd'hui témoigner contre lui. Ben, Ils préfèrent leur payer des avocats pour pas qu'il fassent. Donc c'est de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent pour, euh, pour être élu. Et à la fin, à la fin les, élections, les élections américaines, elles se décident aussi sur ça, sur la force de frappe, sur les dernières semaines d'une semaine élection qui vous permettent de faire de la pub de partout. Et donc on n'en est, est pas là. Est-ce qu'on a une autre question après, je veux absolument remercier tout le monde qui est passé par le super chat, parce que c'est vraiment sympa. Marie Laetitia qui dit, parmi les trois enfants qui vont témoigner, qui est le maillon faible bah, En fait, il faut faire une différence entre les... Donc, on revient sur New York, sur les témoignages des deux fils, Trump, et le témoignage de... De... à venir, d'Ivanka, à la fin de la semaine prochaine. Les deux fils témoignent en termes de co-inculpés. D'accord donc, euh, ils ont une position euh, plus, euh, qui, qui peut limiter plus leurs propos parce qu'ils sont co-inculpés, co ils peuvent utiliser le cinquième amendement d'une manière, manière euh, même si ça peut leur porter préjudice plus tard, ils peuvent utiliser le cinquième amendement. Euh, Ivanka va venir témoigner en tant que témoin, pas en tant que, elle va venir à la barre en tant que témoin pas en tant que pas en tant que co inculpée et c'est la défense qui l'a fait venir si la défense a déterminé que euh, euh, Ivanka euh, devait venir si Trump et ses avocats et les avocats d'Ivanka ont tout fait pour que ne vienne pas témoigner si, à la dernière minute, euh, ça date encore de jeudi ou de vendredi, l'avocat de Trump a demandé qu'elle ne vienne même pas à New York, mais qu'elle reste s'occuper de sa famille à, à Washington, à, à, en Floride, euh, Ivanka, Ivanka, depuis la fin de, de, du règne de son père, habite dans une île privée, sur une île privée euh, en Floride, dans une maison de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et donc, on, un des avocats a expliqué que c'était une mère de famille et que donc elle pouvait difficilement se déplacer, la pauvre, la pauvre, pouvait difficilement venir se déplacer euh, à New York. Et euh, le juge a refusé cette demande. Mais s'il y a eu tous ces efforts de la part de Trump, de la part des, des avocats euh, d'Ivanka, c'est parce qu'elle doit venir comme témoin. Et un témoin n'a pas euh, les mêmes euh, protections. Elle ne peut pas utiliser la carte par exemple de dire que je ne m'en souviens pas obstruction à la justice elle ne peut pas utiliser à la barre le cinquième amendement parce qu'elle n'est pas inculpée elle n'est pas inculpée pour une question de prescription d'accord normalement on l'aurait dû mais en fait elle a, elle a elle a elle a laissé tomber certaines de ses fonctions qui tombent sur sur le coût d'une prescription. C'est ce qui lui permet, permet d'échapper. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le témoin qui pose le plus de problèmes, c'est euh, Ivanka Trump. Est-ce que c'est la plus faible Je n'en sais rien, mais c'est la, la plus problématique parce qu'en plus, elle est à l'origine de ce prêt fait par la euh, Deutsche Bank, pour une série de prêts pour un total de plus de 500 millions de dollars, à un moment où Trump n'arrivait plus à obtenir un seul crédit aux États-Unis. Il n'y avait plus aucune banque qui voulait lui passer de l'argent, c'était en 2011, et c'est Ivanka qui est allée lui présenter les, les gens de la Deutsche Bank qui lui ont fait ces crédits euh, illimités à des taux de crédit records. Donc je pense que c'est elle. Et évidemment, on, su, on suivra ça euh, mercredi ou jeudi prochain. Une autre question où on passe, euh, on passe, au reste. Euh, <laughs> exactement comme dit Patrice, Ivanka s'occupe de ses 2 milliards de dollars avec Jared, laissez-la tranquille. Ouais, elle fait des fêtes. Elle est fait des fêtes. C'est devenu la, la, la grande amie de Kim Kardashian. Et, voilà, elle passe beaucoup de temps. Elle passe beaucoup de temps avec elle. Donc euh, elle ne pouvait pas venir, ça a été son anniversaire la semaine dernière, elle ne pouvait pas venir parce que c'était son anniversaire. Non, non, vraiment, je ne sais même pas des bêtises. C'est vrai, elle ne pouvait pas venir, elle devait témoigner, mais finalement, c'est mieux. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'elle vienne témoigner après son père et pas avant, euh, parce que je suis persuadé que euh, Trump aurait pu euh, prendre ces témoignages-là et les utiliser en sa faveur pour, euh, pour euh, dire la même chose que ses trois enfants le fait qu'elle vienne passer après Trump. Ne lui offre pas cette possibilité-là. Mais elle ne pouvait pas venir la semaine dernière parce que c'était son anniversaire et elle avait prévu une grande fête. Donc, vous comprenez, c'était compliqué. Mais bon. C'est un autre monde. Euh, je vais remercier les gens en super chat et on va passer tout de suite. Euh, il commence à se faire tard, donc on va passer tout de suite sur euh, la euh, Maralago. Ça a été assez énorme ce qui s'est passé ce matin. Donc je remercie euh, David euh, qui dit ma modeste participation pour que William puisse venir voir euh, le patron. Donc Bruce Springsteen au Stade Vélodrome euh, au mois de mai. Ouais, on verra ça. Pas le premier à avoir contacté là-dessus. Euh, merci pour ta contribution. Mais bon, je te rassure, toutes les contributions en Patreon vont euh, d'abord être avant tout et principalement et uniquement même euh, à la réalisation de euh, ces émissions. Donc, mais c'est très sympa, David, c'est apprécié. Merci, euh, Suzanne, merci de, ta, de votre contribution euh, sur Super Chat. Merci, euh, Thierry, euh, aussi un habitué, euh, membre des chutistes. Euh, merci, formidable. Merci, euh, Ludovic, c'est pareil, c'est pas sa première fois pour le miel. Merci à l'équipe. Euh, bah, merci à vous et merci à toutes. Et il y en a encore un. Euh, Lena, une habituée. Ben merci, merci Lena qui contribue à chaque émission. Mais vraiment, euh, je sais que c'est des. Je me répète, mais c'est vraiment important. C'est grâce à vous que euh, on est euh, présent euh, aussi souvent. C'est grâce à vous que la semaine prochaine, on va vous faire vivre le témoignage de, de Trump. Euh, de, de Trump minute par minute. C'est grâce à vous qu'on va faire des soirées électorales. C'est grâce à vous qu'on va vous amener jusqu'en euh, 2024. C'est grâce à ce, toutes ces contributions, que ce soit lorsque vous deveniez un chutiste et en, 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 un, un membre de l'équipe des chutistes avec l'accès à nos emojis. Euh, vous, vous permettez ça. Lorsque vous passez par Super Chat, vous permettez ça. Lorsque vous faites un Super Thanks, lorsque vous nous regardez en différé, vous permettez ça. Et lorsque vous passez sur Patreon, vous permettez ça. Donc, merci beaucoup merci de votre contribution euh, nous sommes 100% indépendants il n'y a pas de pub euh, même le miel même les popcorn rien pas de pub d'accord donc euh, voilà c'est grâce à vous vraiment merci euh, c'est de la part de toute l'équipe donc on part du côté cette fois-ci de euh, palm beach euh, aujourd'hui de l'affaire de maralago Donc, l'affaire de Mar-a-Lago, vous la connaissez tous et toutes, mais on va faire un petit résumé très rapide. Ce sont euh, le fait que euh, Donald Trump a emporté des euh, centaines de documents, milliers de documents, dont certains euh, classifiés, euh, extrêmement sensibles en question de sécurité nationale. Comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, un plan pour envahir l'Iran, mais aussi des positions de bases nucléaires, des identifications de, de sources principales du gouvernement américain, des dossiers dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, comme un dossier Emmanuel Macron, par exemple. Donc, il a emporté euh, tout ça à Maralago après sa présidence, qui en soi était euh, déjà euh, interdit, même, quand, même si ces documents avaient été déclassifiés. Hein, il y a une loi. Aux États-Unis, que le Presidential Act, euh, qui fait que pour justement éviter que les archives disparaissent, tout ça, et vu que ça appartient au peuple américain, tout ça doit aller aux archives nationales pour être après présenté, euh, accessible à la recherche, aux historiens et euh, à, dans ce qu'on appelle les Presidential Libraries, donc des bibliothèques présidentielles. Donc, Trump non seulement n'a pas fait ça, mais en plus a emporté des documents qu'il ne devait absolument pas euh, emporter. Point important. Et deuxième niveau de la farce, euh, il a dirigé tous les efforts possibles et imaginables pour empêcher que ces euh, documents soit retrouvés par les autorités lors de perquisitions en les faisant déplacer en les faisant cacher en tentant de faire détruire les bandes vidéo de surveillance de maralago. donc il euh, euh, y, y, eu, euh, y, y a eu toute une série de révélations avec des témoins clés qui ont décidé de venir euh, témoigner contre Trump, donc dans, 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 dans sa secrétaire, et ce dossier-là est arrivé donc plainte fédérale hors de, à deux de niveaux lorsque les experts en droit, comme Bill Barr, je, je, je compte sur vous le chat, ça arrive pour vous hein, le chat YouTube, comme Bill Barr, le, le ministre, l'ancien ministre, ministre de la justice de Trump, lorsque on a lu les actes d'inculpation, lorsqu'on a vu les qualités des personnes qui été témoigner, tout le monde s'est dit ça y est, Trump is toast, il est cuit, euh, il, euh, il ne s'en sortira pas, parce que sur le papier, de toutes les affaires qui sont en cours, c'est la plus simple. C'est la plus simple, sauf que, et ce sauf que, c'est la juge qui est en charge actuellement de ce procès-là qui est la juge aileen cannon. aileen cannon, forcément, vous la connaissez parce que euh, on en a beaucoup parlé lors, de le, lors du premier aspect de cette, de cette, de cette affaire-là. lorsque euh, trump, euh, lorsque l'affaire est sortie et que trump ne sachant pas trop quoi faire, a euh, déposé une plainte en demandant que euh, euh, un special master, qui est une procédure, donc un expert, s'occupe de, de ce droit, de ce droit-là. La, la plainte, honnêtement, c'était une plainte sans fondement. tout le monde considérait sans fondement euh, ce que les américains appellent frivole, frivolous lawsuit. et cette plainte, Trump a fait ce qu'on appelle du judge shopping. Le judge shopping, c'est quand tu vas déposer, quand vous allez déposer une plainte dans une cour, une petite cour où vous savez que le juge qui est en place est favorable. Est dire vous ne la déposez pas cette plainte sur votre lieu de résidence, vous ne la déposez pas à l'endroit où les faits reprochés sont commis, mais à un endroit où vous avez de fortes chances que le magistrat en place va regarder votre cas. De manière positive. C'est tout à l'heure on avait Louis Martin qui nous parlait de ces stratégies de Trump depuis toujours d'essayer de gagner du temps et d'avoir des juges favorables. Ça en fait partie. Ce qu'on appelle le juges shopping, c'est comme c'est Judge shopping, c'est comme euh, aller acheter un juge. Vous, voyez, vous êtes au magasin, vous dites, ah celui-là il est bien pour moi, je vais aller là. Et donc sa première plainte avait été déposée à Fort Pierce, petit tribunal, petit tribunal en Floride euh, où il avait une chance sur deux. De tomber sur la juge Cannon qui est une des dernières juges nommées à vie, nommée à vie par Donald Trump. Une juge Cannon qui euh, n'a jamais caché ses opinions politiques, euh, qui a été choisie parce que c'est une juge favorable euh, à Trump, qui vient de la, qui a été préparée par la Federalist Society. La Federalist Society, c'est ce groupe ultra conservateur de droit de la droite américaine qui a euh, fait que trois des derniers, les trois derniers magistrats nommés par trump étaient opposés à l'avortement la, euh, et ont permis que la, la fin de l'avortement aux états-unis. donc ça c'est le background de, 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 de la juge cannon et donc la juge cannon ne nous a pas déçus. Déçu. c'est-à-dire qu'alors que tous les experts hein, qui, soient, qui soient républicains ou démocrates en disant mais la plainte de trump c'est n'importe quoi, elle a accepté. Elle a accepté en plus de complètement folle parce que quand on lit son document, je, évidemment, je vous résume ce qui est dit, mais quand on lit le document, les deux premières pages de son document, c'est que elle est d'accord avec les arguments présentés par Smith pour dire que cette plainte n'a aucun sens. Elle est d'accord, elle est d'accord, elle est d'accord, mais quand même, elle va donner et elle est allée créer même des, euh, des, 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 des interprétations de droit. Qui n'existait pas avant pour donner à Trump ce délai et que ce Special Master lui était été euh, autorisé. Donc évidemment, il y a eu l'appel qui est parti dans ce qu'on appelle le 11e circuit, qui est la cour d'appel rattachée à la Floride, qui est, rien n'est simple, aux États-Unis, en Géorgie, à Atlanta, où ce sont des juges conservateurs, donc des juges républicains qui étaient là et qui ont réprimandé la juge Cannon pour son arrêt. Ils ont euh, balancé le dossier. D'ailleurs, Trump, sachant que c'était n'importe quoi, n'a même pas fait appel à cette décision parce que l'appel aurait mené euh, nulle part. Mais en tout cas, sur le dossier Trump, c'est son, son, euh, son euh, parcours judiciaire à elle, c'est que elle est allée non seulement dans le sens de la demande de Trump, mais elle est allée encore plus loin que la demande de Trump en interprétant des règles de loi comme personne avant n'a interprété ces règles de loi, de telle sorte que ses, ses pairs, les juges d'appel, l'ont officiellement réprimandé pour sa décision, en disant qu'en gros, vous nous faites perdre notre temps, et vous faites perdre le temps à la justice. Par contre, évidemment, elle a fait gagner du temps à Trump, ce qui était l'idée euh, générale. Donc ça, c'était... Le premier point, deuxième point aussi au-delà de son, de, son, de, son, de son attachement politique, c'est le manque d'expérience de cette magistrate-là. Ça va être ce qui est considéré comme un des procès du siècle, d'accord Et c'est quelqu'un qui a en tout et pour tout 14 heures d'expérience de, euh, de mener un procès. 14 heures. Ce n'est pas que de sa faute, c'est qu'elle est, qu est euh, ça fait relativement euh, peu de temps, euh, temps qu'elle est, euh, qu est euh, magistrate, et la plupart des procès aux États-Unis, plus de 90%, euh, se terminent par des accords préalables euh, au procès, donc on ne va pas jusqu'au bout de la procédure. Et donc il y a peu d'exemples dans son histoire euh, juridique, dans son histoire de, de juge, comment elle s'est comportée en termes de juge. Son dernier exemple, et donc je vous rappelle, c'est elle qui est en charge de ce dossier-là. Son dernier exemple, c'est en 2023. Elle s'est elle, elle, elle elle, elle retrouvée à, euh, à devoir euh, juger d'une affaire de pédophilie. Et là, à la stupéfaction générale, elle a multiplié les erreurs. Lors de la sélection du jury, par exemple, invoquant que la salle était trop petite, elle a fait sortir le public, ce qui est interdit, condamné par le sixième amendement de la Constitution. Le choix d'un jury doit être ouvert au public pour s'assurer qu'il n'y a pas de malversation et que euh, un jury truqui, truqué est mis en place. Elle, elle est passée outre. Ce, ce texte de loi qui est un des BABA, qui est la base, d'accord, qui est la base de, euh, du droit américain. Pour un juge, faire cette erreur-là, c'est euh, absolument impensable. Donc elle fait cette erreur-là, et puis elle en fait une deuxième. Elle oublie de faire prêter serment aux jurés. Les jurés sont rassemblés pour ce procès, et. Elle oublie de leur faire prêter serment. Ce qui est encore une fois la base, voire n'importe quel film de droit américain, il y a cette scène où on fait prêter serment aux gens. Elle oublie ça. Et ce, le plus fou, c'est que, à la fois, lorsqu'elle prend par exemple sa décision de faire évacuer la salle et de, et de choisir le juré à huis clos, à la fois, les avocats de la défense et les services du procureur lui signalent oralement et par écrit qu'elle vient de se planter. Et elle décide. Il y a un texte en disant non, c'est ma décision, c'est ma cour, je fais comme je veux. Donc, il y a cet état d'esprit-là, d'accord Sa chance, c'est que finalement, les deux parties ont trouvé un accord juste avant le procès. Parce que s'il y avait eu le procès, avec cette erreur de procédure, gravissime pour un magistrat, Très certainement, il y aurait eu un appel et que cet appel aurait été gagné pour vice de procédure, vice de forme, parce qu'elle a fait cette erreur. Donc aujourd'hui, c'est cette personne-là qui est à la charge du procès Trump. Je vous raconte tout ça parce qu'il y a deux dimensions dans ses actes et dans sa décision du jour. Il y a la dimension de, où on peut se demander est-ce que la juge canon agit parce que. Elle a des affinités politiques avec Trump, ou est-ce qu'elle agit parce que, simplement, elle ne sait pas. Elle fait les erreurs. Peut-être c'est un petit peu des deux. Peut-être c'est un petit peu des deux. Comme écrit Virginie euh, sur, euh, sur YouTube, soit elle est vraiment stupide, soit elle essaie de créer un vice de procédure. C'est peut-être aussi une décision. Le, le, le fait est que, et c'est ça ce qui est terrible, avec ses positions aux États-Unis, et c'est pareil au niveau de la Cour suprême, où quelqu'un est nommé à vie. C'est-à-dire que même si l'erreur était devenue une réalité, même si on, avait, on pouvait démontrer qu'elle avait fait cette erreur de manière volontaire pour créer ce vice de procédure, elle est invirable. Elle est nommée à vie à sa position. D'accord c'est important de garder ça en tête parce que vous allez euh, sûrement, c'est sûrement une de vos questions et on va en parler après sur est-ce qu euh, est qu'elle est qu est qu peut se récuser, est-ce qu'on peut la récuser, etc. etc. Donc, ça, c'est la magistrate qui va juger Trump. Je vous en parle autant de cette magistrate parce que finalement, il n'y a personne qui en parle. On ne parle pas de la juge Cannon parce que Trump n'en parle pas. On connaît tout les autres intervenants des autres affaires, que ce soit en Géorgie, à New York ou à Washington, parce que Trump n'arrête pas de les attaquer. Il n'attaque pas la juge Cannon. On sait pourquoi. Parce que dans la réalité, la juge Cannon est une alliée de Trump. Elle est une alliée, en tout cas de manière active, euh, c'est une véritable question, mais en tout cas d'une manière passive extrêmement troublante. Dans le flot d'informations que l'on a chaque jour avec tous ces procès euh, euh, de partout, de partout en même temps, on en oublie beaucoup. Il y en a certaines qui euh, restent dans nos mémoires collectives et d'autres qui tombent comme ça, qui n'impriment pas. Il y en a une qui est extrêmement importante. Je bois un petit peu de thé et je vous raconte tout ça après. Donc, une décision de la juge Canon qui est extrêmement importante et qu'on a complètement oublié, c'est sa première décision. Donc le procès, il y a une date qui a été décidée, qui est le 24 mai 2024, avant l'élection présidentielle. Vous allez voir, c'est au cœur de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ce n'est pas, pas de ça dont je vais vous parler tout de suite. Et donc. Elle annonce le procès du 20 mai 2024. Et, et, et là, tout le monde se braque sur ça. Oh mon Dieu, on a une date. Trump va être jugé avant l'élection présidentielle. Souvenez-vous ce qu'a dit Bill Barr. Il est toast, il est brûlé, il est grillé. Donc, forcément, c'est une bonne nouvelle. Et on oublie la deuxième partie. On oublie la deuxième partie de, de sa décision du 20 mai. Elle décide à ce moment-là et c'est son droit et c'est son pouvoir en termes de magistrat de dire la plainte a été déposée à Palm Beach d'accord la plainte fédérale c'est elle qui en a qui en a hérité de dire la plainte de de Smith les actes d'inculpation de dire OK je suis rattaché à Palm Beach où la plainte a été déposée mais ce procès on va pas le faire à Palm Beach on va le faire à Fort Pierce où j'ai mon tribunal, vous savez, le fameux tribunal trop petit. Donc je ne même pas imaginer ce qui va se passer lorsque ça sera, ça, lorsque ça sera Trump. Mais ce fameux euh, tribunal trop petit, le procès, on va plus, on va pas le faire à Palm Beach, on va le faire à Fort Pierce. OK. OK. Mais ça veut dire quoi dans la réalité Pourquoi cette décision qui passe inaperçue de transférer un procès où tout le monde sait qu'il va y avoir des demandes de journalistes des demandes d'experts, il va y avoir un monde fou. Pourquoi le transférer à Fort Peace ben, Je vais vous expliquer. À Palm Beach, où la plainte a été déposée, en 2020, Trump a perdu les élections. Il a été battu par plus de 20 points par Joe Biden. D'accord Ce qui veut dire que lorsque on va constituer un jury, on va constituer un jury parmi des électeurs qui sont plus favorables à Biden qu'à Trump. 20 points. Non, 12 points, excusez-moi. Une défaite de 12 points. Il a perdu de 12 points. D'accord Biden a gagné avec 12 points d'avance. En transférant le procès à Fort Pierce, que personne ne comprend, d'un coup, elle fait le plus beau cadeau possible de manière 100% légale. Elle fait le cadeau le plus beau possible à Trump. Fort Pierce, c'est un ensemble de cinq comtés politiques. Dans un des comtés, Trump a gagné avec 50,4. Ce qu'on appelle un swing state, c'est-à-dire c'était extrêmement serré. Les quatre autres, ce sont les comtés les plus républicains de Floride. Dans certains comtés, dans un des comtés, Trump a eu 72% des voix. Ce qui veut dire que les membres du jury vont être choisis parmi les habitants, les habitants, parmi ces endroits où trois habitants sur quatre ont voté Trump en 2020. En faisant cette décision de transférer le procès à Fort Pierce, elle a donné à Trump une chance de battre ce que tout le monde pensait être imbattable qui est ce dossier qui est ce dossier extrêmement fort contre Trump de documents de preuves vidéo de preuves vidéo Smith a les enregistrements vidéo où on voit le valet de Trump déplacer les archives pour pas qu'elles ne soient découvertes par une visite officielle il a des enregistrements audio où trump lui-même dit ce que je vous montre là je ne devrais pas vous le montrer c'est un document secret mais il le montre quand même et donc comment battre ça il y a deux manières la première et c'est la plus forte c'est de avoir un juge favorable qui déplace le procès dans un endroit où les chances de condamner trump sont minces et donc, c'est la réalité. Aujourd'hui, ce procès, quand il aura lieu, on va y venir, aura lieu dans un endroit où la plupart des membres du jury ont voté pour Trump en 2020 et continuent aujourd'hui à être d'ardents défenseurs de Trump et du Parti républicain. C'est la justice aux États-Unis. D'accord Donc, Premier aspect, c'est l'aspect le plus important et on l'a oublié, c'était cet été, d'accord. Deuxième aspect de la juge canon, c'est sa volonté d'offrir du temps et de prendre des décisions qui vont principalement dans le sens de Trump. De prendre du temps, c'est que Toujours dans la légalité, lorsque d'autres magistrats, le parallèle à faire, c'est ce qui se passe à Washington, avec la juge Shetcran, qui, elle, essaye de mener son, son procès en tenant sa volonté de que, le, que Trump soit jugé le 4 mars prochain. Canon, dans la réalité, c'est le contraire. Aujourd'hui, on l'a vu. Aujourd'hui, il y avait une décision... Il y avait une demande, une requête des, des avocats de Trump pour repousser le procès après l'élection. La magistrate a écouté, ça a duré 90 minutes, donc a écouté ces débats-là. Et le droit, comme c'est souvent le cas, comme ça a été le cas par exemple avec euh, Shatran lorsqu'il y a eu la question du gag order, c'est que en sortie de ces 90 minutes, le magistrat ou la magistrate prend une dizaine de minutes de recess, de réflexion, et vient donner sa décision. Elle, et elle l'a fait ça tout le long, elle refuse de donner une décision de manière immédiate. Elle dit que la décision sera prononcée dans quelques jours ou quelques semaines. Et pendant ce temps-là, la procédure est stoppée parce que c'est aussi une grosse différence entre ce qui se passe à entre Shotcan et, euh, et Canon. Shotcan est absolument claire. Elle sait les intentions de Donald Trump. Elle sait que à chaque fois qu'il y a un appel, une requête qui est déposée, c'est une volonté de la part de Trump de décaler cette date du mois de mars. Et à chaque fois, elle a été claire, elle est obligée de traiter ses requêtes, c'est normal. Elle a toujours dit, je traite cette requête-là, mais ça ne ralentit pas le calendrier de la procédure. D'accord Canon fait exactement le contraire. À chaque fois que Trump dépose une requête, y compris des requêtes mensongères, où par exemple, il va faire une requête en expliquant que le département de la justice ne lui a toujours pas fourni tel ou tel document, forçant, forçant ensuite le département de la justice à répondre à cette requête en montrant les preuves que ces documents ont bien été fournis, ou alors il va faire une requête en expliquant qu'il n'a pas le temps d'aller jusqu'à Palm Beach regarder les documents secrets c'est ce qui est son droit de témoin et qu'il souhaiterait que le département de la justice vienne, vienne construire à Maralago un lieu sécurisé pour que les, les, les documents soient sur place pour qu'il puisse les consulter à volonté il sait que ça va pas marcher mais pendant toute cette, toute cette procédure pendant toute cette procédure le temps s'arrête et aujourd'hui, donc, on est arrivé au moment où, avec cette succession d'arrêts, et aujourd'hui, cette dernière requête qu'elle a entendue de manière favorable, je vais y revenir, la date du 20 mai 2004, 2024, où devait commencer ce procès, ne peut plus tenir. Ne peut plus tenir. Aujourd'hui, donc, les avocats de Trump sont venus plaider devant euh, Canon en euh, expliquant que c'était pas juste que Trump sur, doit, doit être présent dans trois procès différents sur trois mois qu'il y aura peut-être encore un peu New York qui aura le procès à Washington et que c'est pas juste pour lui qui être qui doit être de partout c'est pas possible le mot qui a été lisé, qui a été utilisé c'est unfair et donc elle Aujourd'hui, a déterminé que effectivement, ça allait être compliqué d'avoir ce procès-là dans les dates et qu'elle allait donc réfléchir pour donner une date et que elle était prête de manière raisonnable à modifier cette date. Il n'y a pas de définition officielle pour raisonnable. On ne sait pas combien de temps va prendre son délai raisonnable et à quand elle va reporter ce procès-là. Je vais vous donner mon avis sur ce qui va se passer. Je vais vous donner mon avis. Je vais vous raconter, par exemple, une autre manière dont elle gagne du temps au bénéfice de Trump et de manière légale. Ce matin, avant que les avocats arrivent, il y a eu en parallèle à Washington et en Floride deux décisions. La première, à Washington, la juge Shotkan, pour que le procès continue à avancer, parce que montrer des documents secrets demande de telles procédures, la juge Shotkan a accepté... Excusez-moi, deux secondes. Donc voilà, excusez-moi. La, la juge Shotkan a accepté... Que le gouvernement américain le département de la justice donne des euh, résumés des, des, euh, des documents secrets qu'il compte présenter en floride elle a refusé cet aspect là pourquoi parce que ça permet de gagner du temps en fait il y a une démarche complètement euh, surréaliste à côté de Trump, il y a deux autres inculpés. D'accord Il y a De Oliveira et il y a Nota. Ce sont deux employés de Maralago. Un est le valet de Trump. Et leur avocat a demandé que Nota et De Oliveira puissent avoir accès aux documents classifiés parmi les plus rares des États-Unis. Il n'y a aucune raison vous allez voir la raison mais dans la réalité ils ont demandé ça et donc évidemment le ministère de la justice s'est opposé disant que c'était absolument pas absolument pas nécessaire et aujourd'hui la juge canon dans un document assez particulier où elle attaque verbalement fait des commentaires assez moqueur ce qui est assez fou d'ailleurs. sur Smith vient de refuser cette requête du département de la justice en disant que les, les autres parties du procès, donc les deux employés de Maralago ont aussi accès à ces documents secrets. Pourquoi Parce que il va falloir maintenant que le département de la justice passe toute une procédure qui prend, qui prend énormément de temps pour s'assurer que euh, ces personnes-là comprennent la manière dont ils doivent gérer ces documents, qu'ils aient un lieu spécifique qui soit euh, protégé pour aller gérer ces documents-là. Donc tout ça fait gagner du temps. Et en plus de temps de, de ça, ce qui est complètement fou, c'est que la juge canon écrit dans son arrêt que par contre, elle se garde à chaque fois le droit plus tard de modifier sa décision. Chaque modification de décision amène du temps. Donc il y a vraiment une volonté chez elle de faire étendre le procès, de faire durer le procès. Donc on revient aujourd'hui dans cette décision majeure, maintenant que je vous ai démontré sa, 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 sa motivation, dans sa, dans sa décision aujourd'hui de reporter le procès. Qui était, prévu, qui était prévu pour le 20 mai. Donc le procès n'aura pas lieu le 20 mai. Elle a dit qu'elle qu allait donner sa décision d'ici, je ne sais pas, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, personne ne le sait, mais qu'elle donnerait sa décision et qu'elle était enclin à penser qu'il faudrait donner un délai raisonnable de modification, de report du procès. Mon avis, c'est qu'elle va donner un délai de un ou deux mois. Pas plus. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit le 20 mai, ça sera peut-être le 20 juin. Pourquoi Parce qu'elle sait très bien ce qui est en train de se jouer ailleurs. Si là, aujourd'hui, elle est en train de dire, elle dit, elle prononce que le procès est reporté en 2025, ou en 2026, ou en 2027, elle laisse du temps pour que, entre-temps, justement, Trump, soit jugé en Géorgie et Trump veut utiliser les autres dates de procès pour faire repousser aussi son procès en Géorgie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc son intérêt, si elle veut défendre Trump, c'est pas de dire je vais le repousser de six mois, je vais le repousser de un an. C'est de le repousser de deux ou trois mois pour pas permettre, pour pas ouvrir la fenêtre nécessaire pour que la Géorgie dise bah, nous on prend cette fenêtre et pendant cette fenêtre, Trump sera jugé. Ce qui ne veut pas dire que plus tard, elle va encore repousser ou elle va encore suspendre le, le calendrier parce qu'il y aura une nouvelle demande de précision, il y aura une nouvelle demande de nouvelles requêtes, une nouvelle requête, un nouveau appel et que du coup, elle va utiliser euh, elle ça comme excuse pour encore ralentir le délai. Je pense que sa stratégie. C'est une stratégie qui est extrêmement dangereuse. C'est une stratégie des petits pas où, euh, pour défendre Trump dans l'ensemble de ses procès, et pas uniquement en Floride, son intérêt, c'est d'y aller morceau par morceau. Et que donc, d'ici quelques temps, on va apprendre que euh, le procès est reporté de deux ou trois mois. Ce qui lui permettra, dans 4-5 euh, mois, de le reporter encore de deux ou trois mois c'est ce qui est en train de se passer en Floride et c'est pour ça que Trump n'en parle pas dans l'ombre il obtient victoire après victoire en Floride. Alors se pose la question de effectivement de savoir si il y a une manière de se débarrasser de la juge Cannon. Je vous en parle dans 30 secondes. Avant de reprendre sur la juge Canon, je voudrais remercier Diane qui est passée par superchat donc qui finance la chute. Merci merci beaucoup. Merci beaucoup Diane, c'est très euh, apprécié. Et puis j'ai reçu des notifications, vous êtes plusieurs à vous d'être inscrits sur notre page euh, Patreon qui nous permet d'avoir une visibilité et continuer à financer ça, à devenir un des membres fondateurs de la communauté euh, La Chute. Et euh, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à vous raconter. Donc merci à toutes et à tous, c'est vraiment euh, très apprécié. Donc, une fois qu'on a cette situation avec la juge Canon qui, de manière de plus en plus évidente, travail pour Trump se pose la question de se dire mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de la juge Cannon Et là je suis désolé j'ai pas de bonnes nouvelles. j'ai pas de bonnes nouvelles parce que les procédures de récusation d'un juge sont parmi les plus gros plus hauts standards de la justice américaine. Je vous en avais parlé un petit peu lorsque Trump a essayé de euh, faire récuser, euh, la juge euh, Shutkan à Washington, c'est extrêmement limité. Déjà, il faut savoir que dans le droit américain, sauf situation exceptionnelle, je vais vous raconter un exemple c'est la récusation, c'est un acte volontaire. C'est un magistrat qui décide de se dire j'ai un conflit financier ou un conflit personnel avec l'issue de tel ou tel procès, de la décision que je dois prendre, et euh, à partir de là, je décide de me récuser. On Apparemment, et puis plus le temps passe, plus ça devient extrêmement compliqué, il n'y a pas de volonté de la magistrate canonne de, de dire qu'elle se récuse. Elle veut mener ce procès, elle a déjà décidé, sa première décision était, quand même fo était complètement forte extrêmement forte de dire ce procès n'aura pas lieu dans la cour bis qui est pour moi à Palm Beach mais chez moi à Fort Pierce dans ma propre cour donc c'est une manière de s'approprier tout de suite le procès donc elle n'a pas d'intention de se récuser il n'y a pas de, de, de conflit financier euh, apparent euh, en plus il faut savoir que il y a eu beaucoup de monde sur euh, Twitter qui a dit oui mais elle s'est fait attraper par la cour d'appel, vous savez ce que je vous ai raconté en introduction, qui l'a réprimandée sur, sur ses décisions. Elle a pris des décisions qui n'allaient pas dans le sens du droit. Elle a fait des erreurs d'interprétation du droit dans ses décisions pro-Trump euh, il y a quelques mois. Ce n'est pas un élément recevable pour récuser un magistrat. il y avait la possibilité au début que le juge qui a inculpé officiellement trump qui a reçu l'acte d'inculpation et qui l'a et, et convoqué pour lui demander s'il allait plaider coupable ou pas coupable de demander demander pas d'imposer de demander à la magistrate de se récuser peut-être que ça a été le cas mais généralement, dans le droit américain, c'est sous forme d'une conversation. C'est lorsqu'un supérieur vient vous voir et en vous disant, oh, tu sais, vous savez, je connais le dossier, euh, c'est problématique, c'est même mieux pour vous de ne pas vous exposer parce qu'il y a eu ce premier épisode déjà où vos pères et l'opinion publique vous a condamné, c'est mieux de refuser ce dossier-là. Elle a accepté. Aujourd'hui, il n'y a que deux parties qui peuvent demander une récusation de la juge Canon. Il y a Trump. Trump. Évidemment, Trump ne va pas demander la récusation d'une juge qui, pour l'instant, lui a... Euh, lui a été plus que favorable. N'oubliez pas que la décision la plus favorable faite, c'est un fait par la juge Cannon a été de déplacer le procès à Fort Pierce sur un terrain favorable pour un jury, un jury, excusez-moi, un jury républicain. Donc à Trump et de l'autre, l'autre solution, ça serait à Smith, donc au procureur de demander une récusation. Mais pour obtenir cette récusation, il aurait besoin de démontrer de manière forte que la juge Canon a commis une erreur de procédure, par exemple, ou a pris une position favorable à Trump de manière évidente. Ce qui n'est pas le cas. Tout ce que je vous ai raconté est fait dans le cadre de la loi. Et puis même, le dernier acte de récusation d'un magistrat connu que j'ai retrouvé, date de 1995. En 1995, le magistrat en charge, on en parlait tout à l'heure avec Louis Martin, en charge du procès sur euh, le Oklahoma Bombing, l'attaque terroriste contre l'immeuble le, le, du FBI à Oklahoma City, a été récusé parce que son bureau était en face de, euh, de l'immeuble du FBI et des membres de son équipe au tribunal, des membres des employés du, tri, du tribunal, avaient été tués dans cette attaque terroriste. Et donc, la, les, le ministère de la Justice avait estimé qu'il ne pouvait pas donner un avis juste, il ne pouvait pas mener un procès d'une manière juste parce qu'il était impli, impliqué émotionnellement. Et que ça serait utilisé plus tard par la défense de l'accusé pour faire casser le procès. Donc ça, c'est un cas où euh, ça a été récusé. Sinon, aujourd'hui, la réalité, c'est que si la juge canon veut mener ce procès à terme, elle pourra le faire où elle veut. Smith se retrouve avec trois maigres espoirs. Premier espoir, c'est qu'elle décide de mener la justice de manière impartiale. Pour l'instant elle ne l'a pas démontré mais bon pas avoir une surprise. Sa deuxième, c'est de gagner en appel. donc ce qui euh, veut dire que la condamnation de Trump sera encore plus longue et sa troisième, c'est qu'il euh, décide toujours sur ce dossier des, cette affaire des documents secrets, de lancer une nouvelle procédure, mais qui ne sera jamais jugée avant l'élection 2024, une nouvelle procédure, par exemple, dans le New Jersey, puisque Trump, lorsqu'il se déplaçait en vacances, emportait avec lui ses documents secrets. Hein, vous imaginez le truc, il partait en vacances de la Floride, il allait dans le New Jersey, et il emportait avec lui ses documents. Et que donc certains des actes qui lui sont reprochés, comme le jour où... Il a montré le plan secret pour envahir l'Iran. Il n'était pas à Maralago, mais il était dans son country club de Bedminster. Et donc, il y a des actes qui ont été commis dans un autre État que la Floride. Qui est une porte de sortie pour Smith de se dire que il peut euh, toujours déposer une plainte là-bas. Voilà, là mais voilà. Euh, Aujourd'hui, si on doit faire le tour des procès, le procès qui et le plus simple pour condamner Trump le procès où même Bill Barr l'ancien ministre de la justice de Trump a déclaré que face au poids des preuves face aux témoignages Trump était cuit la réalité c'est qu'aujourd'hui, c'est un des procès où condamner Trump va être le plus difficile parce que il a un magistrat qui lui est favorable. Donc voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur ce qui s'est passé aujourd'hui en Floride. Évidemment, euh, on, va, on va suivre. Euh, évidemment, chaque décision d'un magistrat n'est pas définitive. Peut-être qu'elle va décider de revenir sur sa décision d'avoir un procès à Fort Pierce parce qu'en termes de sécurité, c'est trop compliqué ou je ne sais pas quoi et que donc on retournerait sur Palm Beach. C'est possible. On va suivre tout ce qui se passe, euh, passe là-bas, mais euh, autant sur, quand il faut être positif et il y a des raisons d'espérer, je vous le dis, autant là je vous le dis, c'est très compliqué. Avec quand on, quand on aligne les dernières décisions de la juge Cannon, c'est très compliqué de se dire que euh, Trump va être jugé avant l'élection et que euh, au-delà de ça. Il aura, il pourra être condamné. À la fin, ce n'est pas la magistrate, c'est le jury. C'est vraiment clé. faut que vous compreniez ça. C'est un jury populaire qui doit condamner Trump. Ce n'est pas la magistrate ou le magistrat. C'est un jury populaire. Et en déplaçant son procès de Palm Beach à Fort Pierce, elle offre, elle offre une bouée. À Trump mais euh, énorme si vous avez des questions ça fait pas mal de temps qu'on parle si vous avez des questions sur des questions rapides sur euh, sur x sur le space c'est le moment de vous manifester si euh, vous avez des euh, questions dans le chat de euh, twitch ou dans le chat de youtube c'est le moment de les passer euh, pendant ce temps je voudrais remercier euh, vincent qui est aussi venu participer au financement de l'émission, au financement de la chute. Merci Vincent, qui, qui William, que de, que de boulot derrière. Bravo et merci. Oui, il y a beaucoup de boulot. C'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Mais vraiment, lorsqu'on est revenu le 4 octobre dernier, ça va faire bientôt un mois, on vous a dit, je vous ai dit au nom de toute l'équipe, que notre volonté était de devenir votre source francophone incontournable, la première source francophone sur l'élection 2024, mais aussi tous les procès de Trump. Et donc oui, ça prend du travail. Et donc c'est pour ça que vos dons euh, nous permettent de faire ce travail, me permettent de libérer du temps, permettent d'avoir Thomas euh, tous les jours. Qui produit, réalise, mixe et surveille le chat, permet d'avoir Cody quand c'est possible, permet de vous répondre sur Patreon, permet de vous répondre sur Twitter, c'est parce qu'il euh, y a tout ça. Donc merci Vincent et merci à toutes les autres et à tous les autres qui sont intervenus. Donc Thomas, est-ce qu'on a une, des questions ou pas euh, Sinon, c'est très bien comme ça, hein, ça fait pas mal de temps qu'on se parle. Donc je vais donner euh, la parole euh, à Cody. Qui euh, peut-être veut participer. Je vois qu'il est dans le, il est dans le, il est dans le. Euh, est dans le euh, je vais l'inviter à co-host. Tiens, euh, s'il veut parler, parler. Le rendez-vous des prochains jours. Le rendez-vous des prochains jours, c'est important. La semaine prochaine, vous le savez. On n'avait pas le droit de rater ça. Ça va durer pendant des heures et des heures et des heures. Donc, bon, je comprends, on ne pourrait pas être là tout le temps. Mais euh, la semaine prochaine, c'est un moment historique pour nous. On va passer la barre déjà des. Nous serons à un an de l'élection présidentielle. Dimanche, dimanche, on sera à un an de l'élection présidentielle. 370 jours aujourd'hui. Le, euh, le, le procès. Les procès de Trump sont en train de se précipiter et dans un an, on votera pour un nouveau président. Ça va vite arriver. Et donc, la semaine prochaine, Trump à la barre des témoins. On va vous raconter minute par minute ce qui se passe, comment il réagit, qu'est-ce qu'il dit avant, qu'est-ce qu'il dit après, pendant les pauses, comment ça se passe avec le juge, le gag order, euh, parce qu'il est sous un coup de gag order aussi. Euh, Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il est-ce qu'il ment à la barre ou est-ce qu'il ne ment pas à la barre On va faire tout ça. Mardi, on va continuer à faire ça. Et en plus, on va avoir une soirée électorale qui vraiment va être clé dans le paysage électoral qui va précéder l'élection de 2020. Est-ce que les démocrates vont réussir à, à motiver leurs troupes et à les inciter à aller voter. Est-ce que les républicains seront prêts Oui, ils le sont. Est-ce qu'ils seront prêts à aller voter en masse Oui, ils le sont. Donc, on va voir ça. On va avoir aussi la semaine prochaine le témoignage, on en a parlé, de Yvan Trump, qu'on va suivre. Il va y avoir la décision peut-être en, euh, euh, en, dans le Colorado. Il va y avoir Washington, demain après-demain, donc jeudi, vendredi on va surveiller évidemment ce qui se passe au Minnesota, on va surveiller ce qui se passe au Colorado, on va surveiller ce qui se passe à New York avec, avec Eric Trump et si c'est nécessaire, on viendra vous parler, si c'est nécessaire. Aujourd'hui, je pense qu'on aura plus une émission vendredi, que demain, on va prendre un break, vous allez prendre un break aussi de nous, et qu'on se retrouve vendredi, et puis samedi, pour notre émission principale, la chute avec le moment MAGA, ne ratez pas, il va être excellent, avec Cody et sa rubrique euh, sous le radar. Avec toutes ces news insiders que vous ne trouvez nulle part ailleurs, on sera là. D'accord Et puis en plus samedi, c'est l'anniversaire de Cody. Donc on sera là, c'est certain. Donc je pense que nous, on se retrouve pour un Space de la chute vendredi. Encore une fois, inscrivez-vous sur la chaîne, cliquez sur la sonnette. Venez me suivre sur X, c'est pas encore le cas. Venez me suivre sur Blue Sky si ce n'est pas encore le cas. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de code Blue Sky et que vous voulez nous rejoindre sur Blue Sky, vous êtes déjà plus de 6000 à me suivre sur Blue Sky. Merci beaucoup de votre confiance. Euh, à la fin de l'émission, lorsque le live est terminé, lorsque le live est terminé, venez dans les commentaires euh, YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la sonnette et laissez-nous votre adresse X. On vous enverra. On le fait tous les jours. On vous enverra euh, une, une invitation, un code pour venir sur euh, Blue Sky. Je vais donner la parole euh, au Birthday Boy, du moins bientôt. Euh, C'est à toi, Cody. Euh, bonjour, euh, plutôt bonsoir, euh, les chutistes. Vraiment content de, de vous retrouver à la fin de cette émission. C'était vraiment un plaisir encore une fois d'être dans les chats avec vous. On était une quarantaine sur Twitch tout le long. Donc merci à, à ceux qui sont passés sur Twitch. Et vraiment, YouTube, émission après émission, vous nous régalez avec vos commentaires, vos blagues, vos analyses et tout ça. Vraiment, c'est fantastique. Attends, Cody, excuse-moi de t'interrompre. Non, il n'y a pas une breaking news. Justement, il y a... Un, justement, y a... John Kenzo, qui est un habitué, qui est un membre chutiste, qui nous écrit Cody n'est pas Ivanka, il est là le jour de son anniversaire. Exactement. Toi, pas d'excuses, tu vas bosser pour ton anniversaire, c'est ça Mais ça te fait plaisir. Oui, bah écoute, euh, de, de, de vous retrouver dans le chat, c'est vraiment un plaisir. Donc, je suis content de partager. Euh, mon anniversaire avec vous et j'essaie comme avoir une belle émission parce que il euh, y a beaucoup de, de choses qui se passent en ce moment donc ça va être vraiment super euh, je voulais je sais que tu as déjà fait mais j'aimerais vraiment remercier tout le monde euh, qui pour, tous pour votre soutien sur Patreon pour euh, pour les super chats les super thanks et tout ça vraiment merci beaucoup et merci aussi pour euh, tous vos commentaires, vos pouces et tout ça, ça nous aide beaucoup. Euh, et si je peux me le permettre, euh, comme petit cadeau d'anniversaire, euh, de voir un dernier, une dernière vague d'emojis dans le chat. Euh, mettez tous vos emojis, les suti, ça fait vraiment ouais. plaisir de les voir. Je reprends. Merci beaucoup. En profite, euh, c'est que, que samedi, ton anniversaire. donc pour... Merci Cody, en tout cas. Euh, on reparlera tout ça samedi. Je vais l'entendre parler, ton anniversaire, c'est sûr. Euh, en plus, il a 21 ans, hein, ce qui est euh, l'âge de la euh, double majorité euh, aux États-Unis. C'est un âge important. À 18 ans, vous pouvez vous inscrire à l'armée, vous pouvez aller acheter un Air 15, une arme, mais vous n'avez pas le droit de boire d'alcool dans les restaurants, y compris lorsque vous avez un bon repas. Un verre de vin, c'est pas possible. Euh, donc voilà, à partir de 21 ans, ça devient, euh, ça devient possible. Donc on fera ça. Je voudrais encore une fois toutes et toutes vous remercier. Remercier euh, plus particulièrement. Euh, je vais le faire en rafale. Christophe, merci Christophe, merci Olivier, merci Maminanou, euh, merci Richard, merci euh, Ludovic, merci Lena. Thierry, Suzanne et David et Diane aussi, j'allais oublier Diane, et enfin Vincent pour euh, vos participations via Super Chat ou en devenant des membres de la team les chutistes. Merci à toutes et à tous. C'était un plaisir de vous retrouver ce soir. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous avez été aussi passionné que ce que moi. Je trouve tout ça passionnant. Ma voix a tenu le coup à peu près. On se retrouve très vite. Peut-être demain, vendredi sûrement. Mais en tout cas samedi. Merci beaucoup. C'était la chute.